Allô, allô. On me dit qu'il y a tous des bavards. C'est comme s'il pleut. Y a la pluie là. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis en Allemagne. Dites-moi bonjour, non? L'Allemagne est beau, hein? Franchement. L'Allemagne est très très beau. C'est un très beau pays. Et c'est une petite ville. C'est une petite ville un peu comme chez moi à Reims, là. Comme les à Reims. Merci Christian Dior, toi au moins. J'adore ces statues. J'adore ça, c'est beau. Et ils ont les statues ici jusqu'à là. Petit monument, c'est un petit statue. Les œuvres d'art, c'est beau. C'est beau. Je pense que c'est partout. C'est beau. Maman, il va pas tomber. C'est très beau. Waouh. Bel ange. Nadia, bonjour. Toi, mon Dieu, pourri. Ok, maman, il y a le vent. C'est un beau pays, le pays ici. Voilà. Le train passe en haut là-bas. Christelle Blanche. Maman, il a même sa mallette. Il partait où non? Maman, j'aime ça. J'aime ça. C'est la Bible. C'est la Bible. Je ne pas que je suis la seule à regarder. C'est magnifique. Vraiment, c'est beau. J'adore. C'est le papier. Avec qui parle si plus, ça c'est toujours là. C'est une histoire, ça raconte une histoire. Est-ce qu'il y a les Allemands là pour lire ça? Ça veut dire quoi ça? Il y a les Allemands là, lisez. Lisez un peu ça pour moi, vous me dites c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Il y a les Allemands là. Oh là là, le vent ça souffle. Ouh là 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 là. Hey, il peut dire ma part. Iki, ça souffle. On dit qu'il y a trop les bavards. Les bavards, pendant que j'ai un job. Pendant que j'ai un job. Parti ma cala. Ouh, vous voyez. On me le vend, c'est moi. Une petite ville, mais c'est propre. C'est dans cette salle-ci qu'il y aura le concert de Lady Ponce le 15 juin. Le 15 juin. Dans cette salle-ci.
La salle là est jolie jusqu'à. Ça, c'est le centre-ville. C'est propre, c'est beau, c'est chic. Franchement, les Allemands encore sont plus propres qu'en France. Voilà, c'est propre ici. C'est très propre. C'est propre, propre, propre. On dit que pendant que j'enjoy, les gens bavardent. Vous bavardez quoi? Vous n'êtes pas fatigué d'insulter les gens, de faire des directs, de vilipender les gens, des nobles personnes comme nous. Pendant que j'enjoy ma vie en Allemagne, vous allez vous bavarder sur Facebook. Christelle Blanche, bonjour. Vous allez vous réveiller. Ce qui venait sur moi, c'est que quand vous venez, elle live du show. Mais je trouve qu'elles ne s'habillent pas. Elles ne sont pas trop glamour, les Allemandes. Elles ne sont pas trop glamour. Elles sont comme ci, comme ça. C'est le centre-ville. Regardez encore ça. Le monument, c'est beau. Tu as pris le nom de Bava. Regarde quand je vais arriver. Tu as dit. On dit qu'on a dit que je suis Balise et là. Voilà, il pleut. Je rentre au restaurant, je vais manger. Tata Lolo est tribaliste. C'est tout comme ça. Non, les Allemands, nous n'avons pas le temps, mais ils sont beaux. Franchement, les Allemands, surtout les hommes. Les hommes sont beaux. Oh là là, j'adore les Allemands. Les gars, là, j'ai pas même qui dit qu'ils aiment pas les Watt. Franchement, si ils restent, ils veulent folle sur un Watt. On ne manque pas. Les Watt là sont beaux, ils sont très beaux. Ils sont très beaux, les Allemands. Ils sont beaux. Ah, merci. Ok, j'étais au restaurant. Je ne sais pas. Je sais même pas ce qu'il a mis à l'intérieur. Je sais pas. Ah non, je vais demander la facture. Parce que... Facture. La facture. 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 I facture. I give you money, you give me a ticket. Facture. Il fait ça, ma mère n'a pas compris. Ouais. This. I don't see. It's very important. Ok, donne-moi la facture. Bonjour Elodie. La vraie chuchote. Comme tu vois le dieu, c'est comment il est beau. Maman, les gens ils sont beaux jusqu'à. Voilà. Maman dans le restaurant, c'est regardez ça. Et c'est propre. Un beau petit restaurant. Mais je vais manger un porto. Ouais le moukala, il est beau. Oh là là. Il a le style. Mais ils sont trop froids. Il est mignon. Attends, je dis. Good sang. C'est ça, good sang. Maman ici, elle est rouge. Danke, merci. Merci. Parce que les gens qui m'ont amené ici me demandent de prendre toujours les factures. Le Watsi est beau jusqu'à maman qui me donne le Watsi. Hey, Massa, il est mignon comme tout. Il est beau. Maman, j'ai dit que j'ai remarqué un truc ici en Allemagne. Les Watts sont beaux, maman. Les gars là sont mignons. Aïe. Les Watts sont beaux. Ici, ils sont très beaux. Mais ils sont froids, c'est ça le problème. Je ne monte pas mon hôtel. Hein. Parce qu'elles sont là. Elles sont là, elles cherchent dans ma vie des sales choses comme ça. Moi, j'ai oublié qu'en Allemagne, on ne traverse pas la route n'importe comment. Les gens, ils sont carrés, maman. Le feu est vert. Maintenant, on peut passer. Elles sont là sur ma vie. Elles sont là pour me regarder. Oh, Lolo, tu achètes les vues. Oh, Lolo, tu fais ceci. Vous n'êtes pas fatigué de parler de mon nom. Une bande de sales choses comme ça. Les vues sont sur ma vie. L'autre, maman m'envoie les messages. L'autre a dit que je suis tribaliste. Oh, j'ai appelé Roberto Gano. C'est à quoi il voit? Hein? Quand l'autre là supporte sa sœur et que c'est chaud sur moi,
Et j'ai dit que non, je ne vais pas répondre à un homme. Je préfère mettre un homme. Les hommes se bagarrent entre eux. Elle vient nous fuir cette sale gueule. Oh, tu es tribaliste. Pourquoi vous n'êtes pas tribaliste? Vous êtes les mères de tribalistes. Vous êtes tribaliste. Vous êtes des sales femmes. Des femmes frustrées. Des femmes frustrées. Je n'ai jamais été tribaliste. Et je ne le serai jamais. Parce que vous n'allez pas venir me prendre mon fils Bradley. Mes enfants Bassa. Que j'ai dans la famille. Voilà. Ça, où ça bugue? Ça, c'est mon hôtel. Je mange ici ou je pars. Regarde les hôtels ici. C'est magnifique. Les hôtels sont magnifiques ici. Les hôtels sont beaux. Ouf, l'Allemagne. Pays propre. Vraiment, les abeilles, là, vous dites que Tata Lolo débloque nous, là. Je ne sais même pas comment je vais vous débloquer. J'ai déjà... Vous faites même, je débloque les gens que je ne veux pas débloquer. Je débloque, c'est moi, je débloque. Tata, je suis à quoi on va débloquer un autre jour. Je vais vous montrer où je dors. Ouh, la nourriture, la chauffe, hein. Attendez un peu, prends ma clé. Je voulais pas m'asseoir là-bas au restaurant là parce que je vais sortir tout à l'heure. C'est ça que j'ai préféré prendre en porte. Vous me voyez. Yes, I speak English. I speak English, hein. Je parle pas le pidgin, hein. Non, les Allemands sont très... Oh putain, le mec là, il m'a fait quoi? Il a pris mal. J'ai validé ma carte pour lui. Il n'a pas mis sa carte. Hein. Ernest plus Rachel. I speak English. Hein. Oh là là. What you mean? What you mean? I speak very English. I don't speak pidgin. Hein. Ouf. Maman, ça chauffe. La conférence était très, se passe bien, Von Smith. Maman, ça chauffe. Vovon, aide-moi là avec la conférence. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui que moi, je passe. Ça, c'est ma petite chambre. Mon lit est un peu en désordre. Mon lit est en désordre, là. Attendez, j'enlève les chaussures. Maman, on dit qu'il y a les bavards. Quand je vais vous répondre, on va dire que Tata Lolo répond aux gens. Les haineux. Maman, deux personnes font la paix, ça devient une affaire d'État. Ça devient une affaire une affaire politique. C'est la sorcellerie qui vous... Qu'est-ce qui vous dérange même? Ma Yamseur et moi, c'est le concept. Le conseil des Yamseur. Il y avait le conseil des Mondjans ici, non? Est-ce qu'il y a pas le conseil des Mondjans? Je vous pose la question, répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y avait pas le concept des Mondjans? Pourquoi personne n'a parlé des concepts des Mondjans? Il y avait le concept des Mondjans, il y avait les anniversaires dans les Mondjans, il y avait les aides de deuil. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Hein? Il y a des pouchias là qui parlent des Mondjans. Il faut arrêter de parler de moi, hein? Moi, je ne vous connais pas. Hein. Je ne suis pas votre camarade. Je ne vous connais pas. La paix avec vous ne sera jamais possible. Attendez, je lave les mains.
la paix avec vous, ça ne sera jamais possible. Moi, je suis comme ça. Voilà. Est-ce que je n'ai pas fait la paix avec Modja? C'est quoi avec vous? Est-ce que je n'ai pas fait la paix avec la veuve joyeuse? Est-ce que je n'ai pas fait la paix avec Modja? La veuve joyeuse. Je n'ai pas fait la paix avec Modja. Pourquoi vous ne parlez pas de la paix de Modja et moi? Hein? Pourquoi vous ne parlez pas de la paix de Modja et moi? Pourquoi vous ne parlez pas de la paix de Modja et moi? Pourquoi vous parlez seulement de la paix de Mayamse et moi? Qu'est-ce qui vous dérange? Oh, elle est plus intelligente que moi. Oh, machin. Maman, la paix est bien. Moi-même, dessus, je suis à l'aise. Je vais mettre les lunettes. Moi-même, je suis à l'aise. Les gens m'ont même mis quoi? Comment je sais pas? J'étais obligé de traduire. Je voulais appeler mon fils Ibrahim, qui m'aide un peu à l'allemand. Mais après, je ne vais pas embêter l'enfant. Parce que depuis que quand je suis bloqué, si je l'appelle, c'est bien d'avoir les enfants partout. Le fils de ma soeur, c'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est le fils de ma soeur. Mon fils. La jalousie vous donne quoi? Hein? Voilà ce que j'ai pris. Est-ce que je n'ai pas fait la paix avec Modja? C'est une question que vous posez. Pourquoi ma paix avec Mayamse vous dérange? Hey, on peut être jalouse comme ça, ma. On peut être jalouse comme ça. Hey, qu'est-ce que je fais? On peut être jalouse comme ça. On peut être jalouse comme ça. Est-ce que je n'ai pas fait la paix avec vous? Hein? Ah, mais c'est bon. Bon, moi, Simit, c'est aujourd'hui que je vais faire je vais présenter mon projet. Je vais t'expliquer comment c'est une conférence. C'est des personnes qui ont des associations. Attends, je vais mettre mon piment. C'est des personnes qui ont des associations. Maman, vous avez fait un jet bloqué, hein, qui ne veut pas bloquer. J'ai bloqué beaucoup, débloqué beaucoup de gens, maman. Les abeilles, si ne me mettaient pas à l'épreuve, ils vont commencer encore à venir m'insulter ici, là. Je n'aime pas manger devant les gens. Vous allez me faire perdre l'appétit. Oh, c'est bon. Hein. Ouh là là, c'est très bon. Attendez, tenez la caméra. Sinon, je vais perdre l'appétit. Voilà. Lisez maman, bonjour. Ma, aidez-moi alors pour la comprendre. Parce que c'est une association, des associations. Bon, c'est des femmes qui ont mis en place des associations chez Kuimonda. Kuimonda, c'est Kuimonda Children. Donc, elle aide les enfants, elle est auprès des enfants, des orphelins. Même ici en Allemagne, hein, elle s'occupe aussi des enfants. Les enfants qui sont têtus, elle les enseigne beaucoup de choses. Il y a aussi une qui a... Merci beaucoup, Élise et Betty. Il y a aussi une qui a... Mais t'attends, Nathalie, tu comment tu me dis qu'elle te débloque? Je vais te débloquer sur accord ouvert. Caro Boel, mon étoile de Lomaya, bonjour. Michou Sanga, bonjour. Mariam Diallo, bonjour. Bon, mais les gens vont bien préparer, c'est bon. Hein. Jackie, merci.
Je pense que tu es pas. Non, vovo, écris-moi sur Messenger. Aide-moi encore. Merci beaucoup, Carole, pour le trait de l'humain. Dès la puissance, bonjour. Le truc est bon, hein. Merde. Tata, d'ailleurs, tu es débloqué, c'est ça que tu commandes. Lily, à moi, bonjour, Malomania, bonjour. Gasmo, bonjour. Tu vas débloquer sur la corde ouverte quand elle va rentrer. Parce que j'ai fait tous les directs ici, là. Venez pas ici, venez tout ça, le TV. J'ai débloqué beaucoup de personnes, je vous mens pas. En tout cas, j'ai pris la décision que je vais débloquer tout le monde sur ma page. Je vais débloquer tout. Je vais enlever tous les gens qui sont bloqués là. Tout le monde. Je laisse ma page. Quand vous venez faire le mauvais commentaire, j'efface seulement. L'inspiration d'avenir toute seule. Et je pense que tu vas gérer. Merci beaucoup, Stuber Esther. Le problème, c'est que c'est pas les trucs grandieux, tu vois. C'est les trucs qu'elles sont obligées de présenter les projets au gouvernement parce que c'est les associations sont conventionnées ici par l'État. Donc, quand tu as une association comme ça, il faut faire des conférences de temps en temps, il faut faire des trucs pour montrer ce que ton association fait, ce qu'ils font comme... Donc, elles ont créé ça. Il y a une qui est pour le VIH. Je vous mens pas qu'un. Envoyez vos enfants à l'école, les filles. Envoyez vos enfants à l'école. Envoyez vos enfants à l'école, c'est important. La petite fille-là, elle a 17 ans. Mais elle a parlé du VIH comme si elle est, je ne sais pas, comme si elle avait étudié ça depuis le ventre de sa mère. 17 ans, elle est simple. Elle avait porté un jean, pantalon, bien là. Elle était bon, un peu, elle est voilée. Hein. Mais la fille, subventionnée, non, c'est ce que j'ai dit, subventionnée, pas l'État. Donc, quand tu as une association qui est subventionnée par l'État, tu dois faire des conférences, tu dois faire des œuvres pour montrer que tu fais ça. Mais tu sens, bonjour. Donc, les filles, Thérèse Tiamat, le bonjour, le général de Dorcas, bonjour. Donc, c'est subventionné par l'État, il faut faire des. Donc, elles sont obligées de faire. C'est une petite ville. Donc, on a invité ceux qui sont là, même si c'est avec deux personnes, nous allons faire parce que il faut vraiment qu'elles montrent ça au gouvernement. Chaque fois que vous allez demander la facture, parce que tout ce que je mange là, elles vont mettre ça là-bas, elles seront remboursées. Tout ce que je mange, ça, j'ai insisté sur la facture. Même mon billet d'avion, j'ai déposé là-bas dedans, elles vont tout mettre ça dedans. Même mon train que j'ai pris de Reims pour Paris, tout est dedans. Même mon cachet, tout est dedans. Les dames là m'ont demandé qu'est-ce que j'ai fait. Il y a aussi une autre qui est là pour les maladies rares. Comme ce que la reine galloise fait là. Mm-hmm. Elles sont quatre. Mais là, moi, je suis venu au compte de Kimoda. Je demandé hein, pourquoi les Africains n'aiment pas les conférences, pourquoi les Africaines sont coincées, pourquoi les Africaines ont peur de s'affirmer, pourquoi les Africaines ont peur de discuter. Moi, je comprends pas. Vous nous invitez seulement dans les soirées, mais essayez de sortir. Vous voyez qu'on a laissé nos sœurs en Afrique qui souffrent beaucoup. Hein? Elles sont privées de leurs droits. Elles sont privées de beaucoup de choses. Hein? Vous connaissez combien de femmes meurent sur les coups des hommes par jour? Au moins 15 femmes meurent par jour sur les coups des hommes. Au moins 15 femmes. Quand on parle de l'Europe, hein, les statistiques européennes, ça veut dire qu'il y a au moins 15 femmes par jour qui meurent sur les coups des hommes. Imaginez pas en Afrique, il n'y a pas de sondage. Combien de femmes meurent? Mais nous sommes ici en diaspora. Toutes ces femmes-là qui organisent les soirées, là. Hein? Vous organisez des trucs, mais pensez à ces femmes-là. Vous croyez que quand vous êtes arrivé ici en Europe, quand vous êtes arrivé ici en Europe, tous les droits que nous avons en Bengale, vous croyez qui se sont battus pour obtenir ces droits? Ce sont des femmes accompagnées des hommes. Les hommes qui s'indignent. Ce sont les femmes qui se sont mises en la route. Elles ont crié que non à la violence conjugale. Et les lois ont été instaurées en Europe grâce aux femmes. Même quand tu lis l'histoire des États-Unis, si aujourd'hui là, le noir s'assoit dans un bus, rappelez-moi un peu le nom de la femme, la Vonvon. On dit que c'est grâce à une femme noire qu'elle s'est assise dans un bien-être qu'elle ne se lève pas. On a dit qu'elle est qu'elle ne se lève pas. Elle a eu le courage.
Comment il s'appelle Vonvon? Hein? Fokunga, bonjour. T'es avec ma soeur l'autre jour. On se voit le 2 novembre, non? Hein? Hein? Comment on appelle la femme là? La femme aux États-Unis là? Rosa Parks, merci Carol Bowen. Notre étoile de Romania. Rosa Parks! Hein? Merde. Les lois ne peuvent pas changer en Afrique si nous, nous ne vous levons pas pour soutenir nos sœurs. Hein? Elles sont versées ici dans la petite ville, mais elles ont honte de venir à la conférence. Elles vont dire que Tata Lolo va dire que nous ne sommes pas belles. Je suis là pour me juger, moi je suis belle. Je m'arrange seulement pour essayer un peu Nyanga. Je ne suis plus un enfant. Moi je m'arrange. Elles ont honte de sentir, elles vont dire que oh, non, on va nous mettre dans Facebook, on va dire que je suis grosse, ça fait quoi? Une femme qui est grosse n'a pas sa place dans la société. Vous voyez les Allemands que voilà, elles sont toises, elles sont honteux. Elles n'ont pas honte. Fleur Kunga va faire le soleil, mais elles vont mettre mon Les filles, vous êtes dans le pays où il y a la loi. On vous demande pas de faire la politique. La politique, ça n'a rien à voir. Quand vous partez pour saluer la première dame, apportez des projets à la première dame. Elle va vous recevoir. Hmm? Apportez des projets à la première dame, elle va vous recevoir. Hein? Merde. Elle ne sortait pas, mon frère. Je croyais qu'elle tapait pour la confort, oui, que c'est la confort, c'est l'argent. Vous êtes là, vous dormez sur mes murs, vous êtes collé sur moi, vous me voulez même quoi? Hein? Même si j'avais deux femmes, j'ai fait ma conférence, je dis, c'est une. Et c'est ma marraine, Geneviève Gontama, qui a créé ce déclic-là en moi. J'ai dit, mais attends, je suis une femme battue dans mon jeune âge. J'étais battu pendant au moins 4 ans, 5 ans. Un homme qui avait pris possession de ma vie, il me tapait comme un ballon. Hein? Pourquoi je vais avoir honte de dire ça à mes jeunes soeurs? Monica Jess, bonjour ma fille. Pourquoi je vais avoir honte? J'ai aidé mes jeunes soeurs de fuir les pervers narcissiques. Il y a une dame qui m'a appelé l'autre jour sur Facebook, sur mon WhatsApp. Elle m'a envoyé des vidéos. Elle est dépressive. Elle a eu affaire à un pervers narcissique qui a détruit sa vie. Il a laissé cette femme endettée. Elle pleure. Elle me dit, voilà ma chambre, je n'arrive même pas à faire le ménage. Elle a perdu tous ses moyens. Hein? Hein? Elle a perdu tous ses moyens, elle n'arrive même pas à faire le ménage. Rien. Elle m'a montré sa chambre, elle a ouvert ma chambre depuis un mois, je n'arrive à rien faire. Elle ne se lève même pas du lit. Elle n'a pas eu honte, elle m'a montré son visage. Une belle fille. Mais quand tu vois son visage, tu sens que la fille, elle est en dépression. Hein? Hein? Elle est en dépression. Hein? Mais si nous ne la comprenons pas, elle peut mourir. J'ai eu ma tante au Cameroun qui est décédée. Hein? À cause d'un pervers narcissique qui était son mari. Il a fini par la tuer. Elle est morte d'AVC. Hein? On vous dit la violence conjugale. Nos soeurs, tu vas voir une femme au Cameroun, elle était belle. Tu y vas les aller, tu trouves qu'elle a un nez percé. L'œil a gonflé, la bouche a gonflé. Elle est une fille, mais elle ne marche plus bien. La violence conjugale. Vous croyez qu'avec la notoriété qui est dans les réseaux sociaux, là, si elle me met dans les quartiers là-bas, ça va finir. Je m'avais demandé l'audience à l'Assemblée nationale au Cameroun. Je m'avais plaidé pour les femmes là-bas. Je vais aller à l'Assemblée nationale. Hein. Moi, je vais entrer là-bas. Vous ne me connaissez même pas bien. Ils vont me dire que tu es à bois, vous voyez que c'est mon abonnement qui vous intéresse ou c'est mon projet que j'ai amené qui vous intéresse. Hein? C'est mon projet qui vous intéresse ou ce sont mes abonnements de Facebook qui vous intéressent. Je suis ici là pour plaider la cause des femmes. Vous allez dire qu'elle est waka. Même si je suis waka, j'ai le droit de défendre les femmes comme moi. Hein? Les jeunes filles au Cameroun subissent le prosélytisme des hommes. Un homme prend les filles, les petites filles qui viennent du nozo là. Les petites filles qui viennent du nozo. Elles vendent le corps à Bonaberry, à Bepanda. Parce qu'ils ont des procédés qui partent les prendre là-bas dans la zone anglophone. On les amène de venir travailler à Bonaberry. Des petites filles de 14 ans, 13 ans. Hein? Hmm?
Ma chère, je vais te bloquer. Attends, je te bloque. J'aime pas quand on rit quand je parle. Attends, je te bloque. Je vais te bloquer. Je ne vois plus les commentaires. Ouais, partagez, non, mes gens. Le consent nous apporte quoi, mes soeurs? Voilà une jeune femme, une dame, Queen Moda, qui a décidé de m'inviter pour la conférence. Et nous allons partir au Cameroun. Hein? Nous allons partir au Cameroun. Dans les prochains mois, ou l'année prochaine, nous irons au Cameroun. Nous allons affronter les députés du Cameroun. Voilà. Restez là où vous parlez du Congo. C'est moi, je ne suis plus dedans. Voilà. Donc, ma conférence à partir de 19h. Normalement, je dois partir là-bas à 17h, mais je préfère partir à 18h. On va me donner le micro. Je vais parler. Même avec mon fauve. Et les filles qui sont là-bas. Hein. Regarde comment elles sont débraillées, mais les femmes là sont intellectuelles, maman. Le français qui sort dans la bouche des femmes là, quand même tu dis que yes, l'école est bien. Envoyez vos enfants à l'école. Elles ont un français soutenu. Les femmes qui s'expriment en allemand, elles s'expriment en anglais, elles s'expriment en français. Oh là là, tu as envie de dire waouh, tu es bluffé. Hier j'étais dans un autre monde. On n'a pas parlé là-bas du piment, on n'a pas parlé de sang caleçon, on n'a pas parlé de ceci. Elles sont là, elles ont des sujets instructifs. Tu te sens bien, tu te sens à l'aise, tu as envie de débattre avec les femmes, tu as envie d'apprendre. Elles m'ont dit qu'elles vont me coacher. Elles étaient là, elles parlaient avec moi. J'étais dans un autre monde. J'étais pas dans le monde où je suis souvent tous les jours. Mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris l'assurance, j'ai appris à me tenir. Tu te tiens, tu n'as même pas envie de parler beaucoup. Tu écoutes, j'ai appris à écouter les autres parler. En moins de 2 heures, j'ai appris beaucoup de choses. À se tenir, à être simple. Tu vois une femme comme ça, elle est docteur. Mais la mise, je sais qu'il ne vaut même pas 2 euros. Elle est simple. Mais le français qui sort de sa bouche, sa façon de s'exprimer, les combats qu'elle mène dans la vie. Tu vois comment elle est auprès des enfants. Elle est auprès des enfants malades, peut-être malades du sida. Vous êtes là tous les jours. Oh, le couteau a fait que. Oh, ma chère. Elle dit donc. Pardon, je ne suis plus dans ce sujet-là. Donc, les filles, apprenez à sortir. Bonjour, Marc Larose. Apprenez à sortir. Les filles en allemand, elles ont trop honte. Vous avez honte pourquoi? Pourquoi vous avez honte? Assumez-vous. Moi, j'ai des longs lolos. On est à laver mes longs lolos. Moi, j'avais un jour à couper mes seins. Moi, je peux faire la chirurgie gratuite en France. Hein. Je ne paye rien. J'ai le droit. Avec ma poitrine, il m'a fait voir mon médecin. Et j'ai dit, on me fait la chirurgie, ma mère, gratuite. Je peux faire ça gratuit, mais j'ai dit que je n'enlève pas mes seins. Ça reste là comme ça. Il n'y a pas fait ça parce qu'on dit qu'il est long lolos. Là, maman, les seins étaient comment? Il y a un maître, les seins étaient comment? Je regarde ça avec mes longs lolos, ça me plaît. Ça me plaît. Parce qu'on ne vous a pas dit quelque chose que même la chirurgie. Si tu n'as pas le cœur, tu deviens folle après la chirurgie. Hein. Quelle est la conséquence de la chirurgie? Mais je n'en veux pas ce qu'ils font. Si je peux avoir le courage, je vais aussi aller faire. Mais je n'ai pas le courage. Ce n'est pas que c'est l'argent qui me manque, c'est le courage qui me manque. J'ai peur. Sinon, je peux faire. Tous les gens disent que je suis vieille. C'est un projet que je mets ma caméra pour y faire mes directs. Maman, la vieille, c'est une grâce. Voilà, elle dit que tu es ma bongo. Ça veut dire qu'elle porte mes pantalons tous les jours et marche avec. Vous êtes là, vous êtes enfermé, mais vous n'apprenez rien. Quand vous partez au Cameroun, c'est pas pour aller monter aux jeunes filles, comment vous êtes bien habillés. Comment la vie de l'Europe est bien. Vous les excitez, vous excitez à cette jeunesse là de prendre. C'est vous qui excitez, c'est nous les gens de la diaspora qui ont excité les jeunes à prendre le désert. Parce qu'ils sont, complexés quand ils nous voient. On leur montre que la vie est belle en Europe. Alors quand même, vous ne sortez pas. Votre talent, c'est de manger. Alors quand on dit que je prépare ma retraite, quelle retraite? Tu sais ce que tu vas arriver jusqu'à la retraite? Tu vas même mourir avant la retraite. Les gens meurent tous les jours, vous ne le voyez pas. Vous travaillez là, vous êtes obligés, vous êtes incapables de vous divertir. Hein? Demain, je suis au Nubel. Mais le Mania, soutenez-moi. Oui, Noël a fuyé. Quand ça ne va pas fuyer, n'ayez pas honte. Fuyez. Quand un homme t'est menacé, tu fuis. Ne restez pas à souffrir. Fuyez. Tu es dans une relation où tu n'es pas bien. Fuis.
Quelqu'un se lève à 5 ans du matin, elle parle avec les caca des blancs toute l'année, pendant qu'on s'est 5 ans. Elle ne peut pas. Elle dit qu'elle va être conçue, ma maison de retraite au Cameroun. Tu es sûr que tu vas y aller à la retraite, ma? Tu marches la voiture, tu te couilles, tu es mort, tes cadeaux, même ta maison que tu as conçue, tu vas jamais jouir de cette maison. Maman, pareil, il faut un job. Même le blanc s'amuse en bain. Le blanc, le week-end, en train dans les bars, vous allez voir la magie. Il s'amuse bien. Ce n'est pas pour eux qu'ils ont instauré des systèmes. L'assurance vie. Que quand tu es malade, que tu as ton âge, tu mets ton âge, tu payes une assurance vie. Que quand tu meurs, ça peut aider tes enfants. Tout le monde a le droit de dire. Un gars, il est soir en Allemagne, vous ne sortez pas. Vous enviez les païens, vous que les païens sortent seulement pour aller dans les bars. Les païens sortent, oh, les païens sont venus en Europe. Je suis, mais comment tu peux me dire que tu es en aventure alors que tu as des enfants dans un pays? Que veut dire aventure? Un aventurier ne laisse pas l'enfant quelque part. Hein? Un aventurier, il a son sac au dos. Quand on dit je m'en vais en aventure, c'est pas arriver à la destination finale. Ta destination finale, c'était où? C'était la France, c'était l'Allemagne, c'était la Belgique, c'était les États-Unis. Tu arrives dans un pays où tu as quelle destination? Je suis en aventure. Tu ne peux pas être en aventure en France, tu accouches les enfants en France, jamais de la vie. Quand tu accouches à l'aventure et que tu es déjà implanté dans ce pays-là, donc il faut s'intégrer. Comment tu peux me dire que tu es en aventure et que tu as 5 enfants en France qui vont à l'école? C'est pas de l'aventure, tu habites la France. Tu n'es pas en aventure. Tu habites la France, tu habites l'Allemagne. Les filles, sautez. Il y a la soirée de Guy Parker le 6 avril. À Francfort, venez danser. Arrêtez de vous on dit que vous êtes douce. Les filles sont belles ici. Moi, tout que vous êtes belles, c'est pas que vous êtes resté naturel. Mettez vos belles robes de soirée. Venez, on va s'amuser avec Samy Diko et Coco Agenté. Sortez, les filles. Arrêtez de vous coincer. Mais ça, vous savez que les hommes vous piétinent. Les hommes vous piétinent parce que quand l'homme sait qu'une femme n'est pas sûre d'elle, quand l'homme sait que la femme a honte du regard des autres, il profite de toi. Il fait comme s'il est le seul au monde à t'aimer, que les autres ne t'aiment pas parce qu'il a déjà étudié ta personne. Il sait que tu as honte de sortir, tu as honte d'aller t'amuser. Donc il te rassure que le seul moment où tu peux être bien dans la vie, c'est avec lui. Et c'est comme ça que ces hommes-là réussissent à vous estoquer de l'argent. Ces hommes-là réussissent à vous détruire, à vous nuire. Le jour où tu ouvres les yeux, c'est comme ça qu'il est parti. Alors que si ton homme, je vais vous dire dans le passé, hein, j'étais une fille qui était trop accro. Hein. Moi, j'ai donné l'argent aux hommes. Hein. Je ne vous mens pas. Je vous raconte mon histoire. Et moi, je vous dis que je prends l'exemple sur moi. Mais je ne suis pas comme ces blogueurs qui viennent de raconter que oh, je n'ai jamais donné un homme. Non, j'ai eu à donner l'argent aux hommes quand j'étais encore plus jeune. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si tu as peur de perdre cette personne-là. Tu l'aimes. Tu n'as pas envie qu'il parte. Et quand il sent que tu es trop amoureuse de lui, il commence à te stocker un peu des petits sous. Tu donnes les 10 000, les 100 euros, les 10. Mais en Europe, je n'ai pas eu à faire ça. Hein. Dans les 10 euros, les 20 euros, les 30 euros. Au final, il va bouffer tout ton argent, toutes tes économies, il va manger ça. Parce qu'il sait que tu n'as que lui. Mais depuis que j'ai eu l'assurance à moi, moi, je ne vous manque pas, moi. Je ne vous manque pas, je suis tellement sûr de moi qu'un. Je peux te dire, je t'aime aujourd'hui, mais je ne t'aime plus. Et ça ne choque pas. Je continue ma route au propre. Parce que j'essaie à me divertir. Quand ça ne va pas. Oui, c'était grand-père. Antoinette, grand-père. C'est grand-père qu'on dit que j'ai connu au Cameroun. Je ne l'ai pas connu au Cameroun, je l'ai connu au Gabon. Je ne le connaissais pas avant, je n'avais même jamais rencontré ce personnage-là, paix à son âme. Donc, le gars-là, je vais vous raconter l'histoire du gars-là et moi. Je vais vous raconter son histoire pour aider les femmes. Je vais vous raconter mon histoire avec ce garçon. Vous allez lire. Vous allez me dire que Lolo, c'est quoi? Il avait fait le grima. Le gars-là, quand il voyait le gars, c'est comme si je voyais le diable. Il s'appelait Tangana Belinga Marcel, un gars de Ngomedia. Il est décédé. Un gars de Ngobedia, Atangana Beninga Marcel. Quand le gars là s'assied, grand de taille, maman, 1m96. Petit, pas gros, hein. Taille slim là, mais un peu de muscles bien. Maman, quand et le gars là était amoureux de moi à la folie, c'était un danger. Il était un danger pour ma vie, mais je ne voyais pas ça parce que j'étais tellement amoureuse que quand le gars là me prenait qu'il va me taper, ah, mof, il me tape. L'œil comme ça, tu vois, l'œil au beurre noir. J'ai appris à utiliser les produits pour les bleus là, en Afrique. Je m'en vais à la pharmacie pour mettre les produits là. Pourquoi ça boit d'abord? Avant que l'œil ne signe fini, que l'autre, il a attaqué l'autre œil. Les gens me demandaient que tu cherches quoi derrière le gars. Il dit que c'est ma mort là-bas. Il me tape. Je dis que le mariage, il est fini. Je jure tous les dieux du monde. Je gratte le sol. Je dis que le lendemain, tu me vois assis avec lui. Il dit encore, il réussit à me manager. Les gens là,
Les pervers narcissiques, ils réussissent à me manager, ils réussissent à me tourner la tête, ils parlent. Maman, quand tu encore me dis un mot que tu es jalouse de mon gars et moi, eh, pardon, qui est dans notre relation, je l'aime jusqu'à. Tu veux détruire mon gars parce que, oh machin, tu veux détruire mon couple parce que tu n'as pas de gars. Hein, tu as un gars. Hey, tout le monde met la main à tête que la tangala fait quoi la fille ici. Il y a des gens, on ne sont même pas jusqu'à la police. Le policier me dit que donne 10 coups de matraque. Je donne 10 coups de matraque. Il dit que balai, je vais finir avec toi. Je tape. Dès qu'on sort du commissariat, hein, il prend l'autoroute, je prends l'autoroute, on se retrouve à la maison. Il me dit, Manu, tu m'as tapé au commissariat, je vais te finir. Après, comment ça peut? Il me flatte encore, maman. Il me dit, tape-moi encore. Je dis, ok, j'étais à taper, il dit que tape-moi encore. Tout ça pour moi. Maman, j'ai souffert dans la relation là. Voilà, toi qui dit qu'elle connaît notre histoire. J'ai souffert, ma. C'est un autre homme qui m'a levé entre les mains du gars là, mon policier. Un Gabonais. Quand je suis tombé amoureux du Gabonais là, ah mof, j'ai chou le père pour le gars avant de quitter le gars. Que tu, quand je pensais à tout ce que le gars là me faisait, et j'ai vu que quand tu sors des griffes d'un pervers narcissique ou d'un homme violent, hein, quand tu sors de là, tu vas détester l'homme là toute ta vie. J'ai dit que tu vas haïr cet homme, tu vas te rappeler, tu veux que tout le passé va revenir, tu vas vivre le passé. Et que c'est Rosalie, et Lang, tu as compris, non? Tu vas essayer avec le, c'est quel, c'est le profil de qui? Tu as changé le nom à Ben. Voici ma belle sœur, hein. Ma belle sœur Betty. Rosalie, on dit que je suis tribaliste. Dis aux filles ici. Dis aux sales femmes de Facebook là. Rosalie, pardon, dis aux filles de Facebook que quand elle était à Libreville, j'ai marié, c'est ma belle fille quand. Dis-le, voilà une fille. voici ma meilleure belle sœur, hein. Elle séparait nos bagarres tous les jours. Antoinette, ma chère. Elle séparait nos bagarres. Moi, je partais souvent dormir chez elle. Elle me dit quand mon frère a fait que quel frère, il va me tuer. Elle dit que non, tu vas que rester là. Demande, voilà Rosalie qui est là, c'est Antoinette Bassiance et Yamo. C'est ma belle sœur. On est toujours en libre vie ensemble. C'est elle qui commente là. Elle va vous dire que Lolo, je connais votre histoire de tribalistes. Hein. Demande, elle va vous dire que Lolo, est-ce que ma sœur m'a mis à libre vie? J'étais quand même les filles à Oune, mes belles sœurs. Tu attaques une de mes belles sœurs, tu es mort en guerre. J'ai fait la bagarre avec toi, c'est le même plus bon. Oh, yeah. J'étais insulté tout le carrefour sort. J'ai toujours été avec les filles Betty. Hein. Vos choses là que vous voulez me mettre sur la télé, ça ne peut pas marcher. Elle connaît ce que son frère m'a fait. Elle est déjà en bain. Son frère me tape. Même toi, même ton gars te tape, ma. Je n'aime pas payer ma paix si tu laisses ta part. Ta part te tape aussi. Et Rosalie Nancy est décédée. Hein. Sonia est morte. Les hommes nous ont battu, ma. Donc, c'est mon nouveau combat. C'est mon nouveau combat. La violence conjugale. Et les pervers narcissiques. Donc, les filles, vous allez m'accompagner sur ce nouveau combat-là. Parce que nous allons organiser aussi des choses. Je sais que vous allez m'accompagner dans ça. Je vais vous donner le programme de tout ce qui va se passer d'ici quelques jours. Parce qu'il faut vraiment que je vais au Cameroun. Un départ imminent. Parce qu'il faut mettre les choses en place. Nous avons assez perdu de temps. Ça veut dire que la paix là que j'ai fait avec ma âme sœur, moi-même, ça m'apaise. C'est zéro hypocrite. Moi, je ne suis pas hypocrite avec elle. Je ne connais pas faire l'hypocrisie. Quand je suis ennemi avec quelqu'un, je suis ennemi avec quelqu'un. Quand je ne suis pas ennemi, je dis qu'elle ne veut pas. Donc, moi, je ne suis pas hypocrite. Ce n'est pas l'hypocrisie. Moi, c'est bien. Même quand on dit que tu voulais la paix, là, tu voulais l'amitié là depuis. Ma, si elle voulait l'amitié avec mes âmes sœurs, hein, je sais qu'elle n'a pas un cœur dur, non. Je prends mon téléphone, je l'appelle, elle va découvrir. Vous pensez qu'elle n'a pas un cœur dur. Ça passe, c'est bon qu'elle te clashe. Dès qu'elle a fini de te clasher, là, c'est là, fini. Donc, tu l'appelles au téléphone, elle va décocher. Donc, si elle voulait la paix, moi, c'est là, c'est qu'elle a appelé depuis qu'il est au téléphone, elle va décocher. Elle ne supporte pas les problèmes. Elle n'a pas un cœur dur comme vous, là. Vraiment, les filles vont vous laisser passer, elles vont dormir même pour une heure. Vont, envoie-moi les tuiles, envoie-moi les. Mais les idées, envoyez-moi les idées sur Messenger ou sur mon WhatsApp au 00 33 766 29 22 01. Bonjour Ebenezer, envoyez-moi les idées, pardon. Envoyez-moi les idées parce que je vais faire, j'ai commencé un peu à bucoler quelques petits trucs là. Une femme tous les 3 jours meurt sous le coup des hommes. Bon, j'ai essayé de commencer à lire un peu, m'informer. Et puis avec ce que moi aussi j'ai dans la tête comme expérience, j'aime pas souvent prendre les idées des autres. J'aime moi-même quand avoir mes propres idées. Quand je prends les idées des autres, c'est comme si c'était pas moi, quoi. C'est comme si c'était pas moi. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Voilà, donc parfois ça m'énerve un peu d'aller voler la chose de quelqu'un d'autre. Et bien, les moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur, je vais aller dormir. Je te prends un peu vite fait.
Et Benza, tu veux quoi? Et Benza, tu veux quoi? J'ai bien mangé, c'était bon. Oui, je dois me reposer, sinon je vais avoir les cernes. Et Benza était ajouté. Sinon, elle va avoir les cernes. Bon, pas les cernes, la fatigue. Oui, tata, le s'il te plaît. Ne mets pas tout tes projets. Non, 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 non. Ebenezer, prends, non. Donc, je vous ai tantôt que on va lancer, on va faire des choses ensemble. Maman, la paix est bien. Vraiment, de Dieu, je dors bien depuis. La paix est bien. Vous qui... Je demande, hein. Est-ce que deux gars n'ont pas fait la paix dans les réseaux sociaux, si vous avez vu? Hein? Mais nous avons fait la paix. Nous étions trois quand il y a eu la paix, là, non? Nous étions trois personnes. Pour vous parler seulement de Flore, de Lille et moi. Hein? Pourquoi vous parlez seulement de Mayam Sœur? Moi, je comprends pas. Il y a même un problème, quoi. Ça devait, vous politisez même déjà cette histoire de paix. Ça peut même dire la politique. Moi, je comprends pas. Hein? Moi, ça me fait même peur. Mais c'est quoi cette folie-là? Ah, et Benezé, c'est pas quoi ça ne parle pas. Voilà, ça joue en cours. Je suis en train d'ajouter. Moi, il va alors accrocher. Tu m'embêtes seulement. Dit. À jouer en cours. Je comprends pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, vous avez montré, vous montrez au monde entier que. Vous, Flore de Lille et Lolo ne doivent pas être amis. Parce qu'elles sont amies, il y aura quelque chose. Vous avez peur de quoi? Non, dites-moi, vous avez peur de quoi? Cette amitié-là, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Flore de Lille habite à Compiègne. Moi, j'habite à Reims. Quelle qualité d'amitié qu'on va faire? On peut se croire, peut-être, on peut peut-être programmer un soir. Nous sommes des stars des réseaux sociaux. Elle peut m'appeler que Lolo, allons faire un peu le mouvement en boîte. On sort en star. Entre amis. Nous sommes des amis stars. On sort, on passe s'amuser. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui vous dérange? On va monter, on va créer un coup d'état dans les réseaux sociaux, on va créer un coup d'état, je sais pas. Quoi, qu'est-ce qui vous dérange dans cette paix-là? Au point de dire que nous... Mais il y avait une troisième personne dans cette paix, mon Dieu. Bon sang. Il y avait une troisième personne dans cette paix. Il y a une troisième personne qui est la veuve joyeuse. Vous avez oublié la Moja? Vous l'avez oublié? Elle était là avec nous. Donc elle est insignifiante pour vous, quoi. Donc la veuve joyeuse pour vous, elle n'a pas. Je ne vais pas dire des mots durs. Bon, pour elle ne vaut rien, quoi. Donc vous la sous-estimez. Alors qu'elle fait beaucoup de choses qui suit la toile. Vous la sous-estimez ou quoi? Je ne sais pas. Pourquoi vous êtes braqué entre deux personnes? Non, mais vous faites en sorte que même les gens qui étaient hésitants dans cette histoire de paix sont à 100% là à l'intérieur aujourd'hui, hein. Franchement. Mais c'est devenu comme s'il y avait eu un coup d'état dans les réseaux sociaux. Ça sort de partout. Ça sort de partout. Oh Lolo, tu es bête. Je suis bête. Mais c'est toi qui es bête. Parce que quand tu vois deux personnes en train de se... Oh, la connaissance. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de la charge. J'ai déjà ouvert la vidéo. Bon, c'est pas grave. Je vais faire une autre direct. Oh, je voulais entamer le babadage. Ça se gâte. Il n'y a plus de batterie, là. On va faire avec ça. Mais attends, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui vous dérange? Moi, je comprends pas. Dites-moi, venez, on parle. Moi, je vous invite à venir. Hein. Dites-moi ce qui ne va pas. Entrez dans le direct, vous me dites ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette paix? Moi, je vous donne la possibilité de discuter avec moi là aujourd'hui. Vite fait. Dites-moi ce qui vous dérange dans cette paix. Dites-moi, exprimez-vous. Exprimez-vous, dites-moi ce qui vous dérange dans cette paix. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette paix? Non, mais dites-moi un peu. Pourquoi vous voulez tribaliser la chose? Pourquoi vous voulez mentir sur moi? Pourquoi vous tribalisez cette chose-là? Vous dites que Lolo, c'est les écans qui ont fait toi. Mais vous êtes malade ou quoi? Les écans ont fait quoi de moi? C'est les Camerounais qui ont fait quelque chose de moi. Et même les étrangères. Je vous rappelle que Ouakatolo, c'est une étrangère. Ouakatolo, c'est l'un des seuls faux profils qui est parti du mouvement camerounais, qui a gardé sa Starmania. Ouakatolo a pris le blog ivoirien en otage. Parce qu'elle est sortie d'une personne qui a les bonnes ondes. Ouakatolo est continué, même dans TikTok. Les grands stars, ils voient, parlent de Ouakatolo. Elle est venue dans les réseaux sociaux pour venir soutenir une Camerounaise. Hein? Elle est malienne guinéenne. Vous avez compris? Mais Ouakatolo tient le blog ivoirien. Elle peut revenir dans le blog Camerounais à tout moment. Mais elle m'a dit, Lolo, tu as commencé la télé. Je te préfère dans la télévision que dans les guerres inutiles. Ça doit, tu dois avancer. Ne fais plus le pas avec tes soeurs. Elle me l'a dit.
Tant que tu es encore dans les gars, je ne viendrai jamais sur Facebook faire un direct pour te soutenir. Parce que là, sinon, je vais t'encourager dans la bêtise. Mais pourquoi vous... Comment tu dis que c'est seulement les bêtises qui ont fait Lolo? Non, ce sont les Camerounais et les étrangers qui ont fait de moi ce que je suis dans les réseaux sociaux. N'identifiez pas un peuple. N'identifiez pas un peuple. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ça. Vous pensez combien de filles américaines me suivent depuis des années dans les réseaux sociaux? Il faut arrêter. Vous pensez combien de femmes bassins me suivent dans les réseaux sociaux depuis des années? Arrêtez votre sorcellerie là. Je vais sortir sur vous, hein. Parce que je ne vous réponds pas, ne m'appelez plus dans votre direct. Ne m'appelez plus, je ne suis pas votre ami. Je ne serai jamais votre ami. Vous n'êtes même pas, vous ne marrez vos millions. Vous êtes plus riche que moi. Vous êtes plus belle que moi. Je ne peux jamais marcher avec votre catégorie là. Parce que vous ne donnez pas envie de marcher avec vous. Vous ne, quand je vous regarde, rien ne m'attire sur vous. Oui, je ne peux pas marcher avec vous. Je ne peux rien avoir avec vous. Donc ne m'appelez plus dans vos choses. Laissez-moi avec ma yam soeur. Laissez, je suis bête. Laissez-moi me manger. Laissez-moi me manger. Ouais, elle est trop stratège. Elle va faire la stratégie pour gagner quoi sur moi. C'est moi qui gère son blog. Oh, elle est trop stratège. Oh, ma... Pourquoi vous ne dites pas ça pour la veuve joyeuse? La veuve joyeuse a fait la paix avec moi, non? La veuve joyeuse a fait... Qu'est-ce que la veuve joyeuse, moi, on ne s'est pas dit? On a insulté nos mamans. On a insulté nos enfants. On a dit des choses aussi cruelles que je n'ai même pas dit à Florie. Que Florie ne m'a même pas dit. Mais c'est pas la veuve joyeuse. Pourquoi ça ne vous énerve pas autant? Pourquoi il y avait les mojang, non? Il y avait les mojang. Est-ce qu'il n'y avait pas les mojang? Mate Pondi, bonjour. Est-ce qu'il n'y avait pas les mojang? Quelle est la blogueuse Bamleke qui s'est levée un jour pour s'indigner par rapport aux mojang? Vous avez même bagarré ici. Les mojang ont bagarré ici. Les 100 caleçons sont sortis. Les mojang ont même discuté le porc. Les mojang ont discuté les poules. Les mojang ont discuté les hommes. Les mojang ont discuté même les corps ici. Là. Qui a parlé? Quelqu'un de nous, vous avez vu quelqu'un faire le direct pour parler de ça? Les mojang étaient les amis intimes. Quand c'est sorti, on a tout entendu l'affaire des mojang. Les va doigtement dans les chambres. Les doigtement sont partis. Les doigtement dans les mariages. Est-ce qu'on a parlé de ça? Est-ce que nous avons fait le direct un jour pour parler de ça? Qu'est-ce qui vous énerve avec l'affaire que deux filles bambliquées, moi, deux filles bambliquées, c'est de, merde. Le tout sien, mon amour encore augmenté pour ma soeur là, à 100%, comme les Allemands disent. À 100%. Le tout, si j'aime encore ma soeur là jusqu'à. Maman, je ne peux même pas imaginer qu'elle peut l'aimer. Je l'aime encore, l'aimer comme je l'aime aujourd'hui là. Je l'aime encore jusqu'à. L'amour encore dépassé les niveaux, maman. Hey! L'amour encore dépassé les niveaux quand elle va ma yam soeur. Hein. Je vais même parler dans son direct parce que quand c'est pas dans son direct, c'est qu'elle va gâter son direct. Je vais commencer à faire les commentaires. Les abeilles. On va dire que les yam soeurs, vont... je peux quand je regarde même à la fenêtre. J'aime encore ma yam soeur le tout, c'est jusqu'à. Yeah! On peut être jalouse de la réconciliation des personnes comme ça. J'aime ma, je vous jure que c'est zéro hypocrisie. J'aime ma yam soeur jusqu'à, mon cœur va ma yam soeur, que maman, ma yam soeur est encore belle hier jusqu'à maman le goût de ça. Hé! Hey! Oh, la beauté de ça, oh. Maman Sarah, elle était là comme une vraie boss lady. Le tout, si, maman, elle brillait sur la caméra, comme elle dit que maman, s'il n'est pas entré là-bas, ma yam soeur va gâter son direct. Mais elle la laisse faire. Je reste à l'angle. Elle va couper le ruban. Ma yam soeur a dit que son père avec moi c'est qu'elle doit couper que le ruban là. Tu sais que les enfants, en baranton dit qu'elle est une cousine, mais elle est grande quoi, elle est restée enfant. Hein. Elle est bébé dans le cœur, une cousine même. Donc l'affaire que j'avais promis de couper le ruban, je l'ai dit penser là. Elle m'a dit que l'affaire du ruban là, je vais couper ça. Ma yam soeur, tu vas venir couper ton ruban. Ouais, tu coupes ton ruban. On fait la télé là, c'est la télé de ta soeur, tu dois mettre aussi ça en haut. Moi aussi, je dois mettre ta soirée en haut. Oh, nous irons, on va souvent sortir les week-ends pour aller faire la promotion de la soirée. Je t'accompagne. Lui, il a 15 ans. Ma copine est là. Quand je suis pas allé là avec lui, je sors. Moi, je suis fatigué de rester à la maison. Je sors pas faire le bouquin, on fait la promo ensemble. C'est qu'est-ce que c'est ça? Je les dis, c'est qu'est-ce que c'est ça? Maman, c'est qu'est-ce que c'est ça? Allez vous pendre. C'est comme ça. Hey, on peut pleurer l'amitié des deux personnes comme ça. Je dis que les week-ends, quand ma père me dit que ma soeur, allons faire la promo, je me lève. On ne peut que faire la promo à deux. Oui, c'est qu'est-ce que c'est ça? Quand il dit que ma yam soeur, la télé est en train de tomber là, Dieu même fait ton atalakou dans la télé là. Voilà la télé que l'audience est baisse. Dieu même fait seulement même 2 heures. Tu viens, elle va venir. Je ne vais pas payer son bilan. Je ne vais pas payer le taxi. Hey, je ne vais pas partager mes étoiles avec elle, maman. Yeah, le tour, si, c'est le vrai tour. Tu viens faire la promo? Est-ce que vous avez vu, j'ai parlé? La promo, Fama, vous allez voir la magie. Elle va remplir 2000 personnes. C'est qu'est-ce que c'est ça? Nous allons soulever les montagnes. Vous avez compris, non? Nous allons soulever les montagnes. Et mon entrée là-bas, maman, malheur à la blogueuse qui sera en tout ça. Parce qu'elle va entrer là-bas comme une vraie star. Ça sera hein, la soirée hollywoodienne. La soirée hollywoodienne. Quand elle va entrer là-bas, elle va dire que yes, tata Lolo est entrée. Ça va? La salle va bouger comme ça.
que yes, on va mettre ma musique, maman, la tâcheur, on va comprendre sur la tâcheur. C'est ça qui va, et je serai avec la tâcheur, hein, parce que la tâcheur est pour la paix. La tâcheur va entrer avec moi. Je viens avec mon attaché. Parce que si elle commence à m'avaler, il faut qu'il m'attache. C'est comment elle dérange beaucoup. Il va m'attacher. Parce que moi, attache la chèvre, lui m'attache. Là sera la soirée. Le boumanyanga. Tera Tiamale sera là. Elle va quitter les États-Unis, elle va venir. Vonvon Simi sera là. FM Bombi sera là. Les Américains vont se déplacer. Maman, ça sera le grave le 2 novembre à Paris. La télé sera. C'est la télé qui va immortaliser cette soirée-là. Vous allez vivre ça en live. Les télévisions du Cameroun servent à quoi? Vous allez vivre ça en live à la Tata Lolo TV. En live. Quand la maf va prendre le micro pour parler, je serai à côté. On va parler à deux au micro, maman. Oh les pleurs. Oh les pleurs. Oh les pleurs. Ya. Yeah. Hmm. Je serai là. On va ça. Je dis que quand le. Je dis que les gens du Cameroun que brassement, c'est en direct de la Tata Lolo TV. Les, après, on met seulement les anciennes soirées, la soirée des petits pays. Là, quand elle parle, on vous rappelle que ce n'est pas la première fois qu'elle remplit les salles. On met une petite partie de la soirée des petits pays. On revient encore maintenant la vraie. La soirée qui est en train de se dérouler actuellement. Là. On. Mouf! Vous allez lire. Vous allez lire. Ya! Yeah. Ne venez pas diviser les Camerounais. Ni Elmo, ni moi, nous ne sommes pas tribalistes. Nous avons fait on s'est réconciliés comme ça naturellement. Et nous sommes identifiés quand. Vous croyez que je me lève n'importe où aller dans les deuils? Si moi, je n'ai plus parti, je René Salé, parler de René Salé, c'est mon ami, je l'aime beaucoup. Moi, je ne sors pas n'importe comment. Maman, yush! Les filles là sont jalouses, elles font les. Oh, c'est la paix hypocrite. Ce n'est pas la paix hypocrite, maman. Je suis capable de boire on appelle ça comment à l'ouest? Tiens, on appelle ça comment? Le truc qu'on boit, les gens, quand tu manges là. Il y a un truc qu'on boit, l'ouest, quand tu mens, c'est l'ondou. Le kadi, non, pas le kadi, c'est un nom là. Il y a un nom là qu'on appelle quand tu bois, l'ouest. Il y a un nom là quand tu bois, quand tu. Il y a un nom là. Non, c'est pas le kadi, c'est un nom là. Non, le kadi, c'est pas. C'est ça, le kadi. Je peux boire le kadi. Non, c'est pas le kadi. Je vais chercher le nom là. Il y a le kadi, mais il y a aussi un autre. Longout, longout. Sani Sivi, voilà, longout. Je peux boire longout. Ce qu'elle dit là, ça vient du cœur. Il n'y a pas d'hypocrisie dedans. Il n'y a pas, non. Chez vous, vous dites c'est le kadi. Chez nous, on dit longout. Longout, ma fille de Nyungou. Ce qu'elle dit, elle ouvre, elle prend l'eau, mais je bois. Qu'est-ce qu'elle dit, c'est la vérité. Longout là ne m'attrape pas. C'est comme ça maintenant. On va vous traiter. Il y a la saleté, la jalousie. La veuve, je suis avec nous. Mojang est avec nous. Mojan, arrête, ne dis plus que zéro paix. Les gens vont te détourner, la veuve joyeuse. Elles veulent te détourner d'entrer encore dans la guerre avec nous, ces gens-là. Elles veulent te détourner. Ne tombe pas dans ce piège. Warriors, nous sommes ensemble. Tu as dit que ensemble jusqu'à la gare. Donc, si tu tombes l'ongou, voilà, non, l'ongou. Voici l'ongou. Je peux prendre l'ongou, là, je bois. Ça ne m'attrape pas. Ce qu'elle dit là, ça vient du cœur. Donc, voici l'ongou ici. Quand tu manques, quand tu bois le goût, quand tu manques, ça t'attrape. Mais c'est pas le goût, c'est un taux au village. C'est ce qu'on dit en français que le kadi est d'accord. Le goût. En me dit, en français, c'est le kadi. D'accord, Gabriella, la douce. Hé, hey, on peut faire la jalousie comme ça. Maman, les femmes, vous avez politisé l'affaire. Si vous avez pas l'affaire, l'histoire de Kamto. Vous n'avez pas appris qu'on a failli me tuer ici à Nantes à cause de Papoul. Non, en vrai, même si j'ai fait la politique, même si je suis hypocrite, donc je vais aller risquer ma vie. À Nanterre pour pas Paul qui je n'ai jamais donné, qui m'a jamais donné un euro. Moi, parce que je vais monter quoi aux gens. Je vais monter quoi aux gens. Quand vous parlez, vous réfléchissez. Non. Vous réfléchissez. Hein? Est-ce que quand vous parlez, vous réfléchissez? Vous ne réfléchissez pas. Tellement vous êtes dans la haine. Vous l'appelez encore les Camto. Oh, c'est quoi ça? Ni Flo ni moi, on fait pas. Nous ne voyons pas la politique. Moi, on peut donner nos idées. On peut donner nos avis dans les histoires de la politique du Cameroun. Nous vous donner nos avis. Ça vous énerve pourquoi? Hein? Vous êtes jaloux jusqu'à maman. La paix. Je dis que j'appelle toutes les Camerounaises et les Africaines de ne pas tomber dans le piège des haineuses, des femmes qui n'ont pas pu se faire un nom dans les réseaux sociaux. Elles ont perdu, elles cherchent depuis la Stamania. Elles se sont accrochées derrière Mayam Sœur. Maintenant là, c'est quand elles savent Mayam Sœur que nous sommes assises comme ça là. Je vois vos commentaires. C'est moi qui va vous bloquer dans sa page. Si je manque, tapez ma main. Si je mens, tapez ma main. Je vais dire que je vais la voir. Tous les bavards là,
toutes celles qui bavardent là, quand je vais la voir, je vais dire que donne-moi ton téléphone. Elle va me donner que, Myam, mais je vais vous bloquer sur sa part. C'est moi. Ouais. Parce qu'elle ne peut pas vous bloquer. C'est moi qui va vous bloquer sur sa part. Et quand elle va finir de vous bloquer, je vais venir écrire vos noms sur ma page. Que vous êtes bloqué. Oui. Je vais vous bloquer. Vous mentez, vous ne l'aimez pas. Parce que vous avez peur de ces abeilles. Vous avez peur de ces abeilles. Ça vous fait l'hypocrisie avec elles. Vous avez peur de ces abeilles. Ça vous fait l'hypocrisie. Vous ne l'aimez pas. Oui. Et je vais vous bloquer sur sa page. Et quand elle va vous bloquer, je vais venir cliquer, je vous ai bloqué. Je jure devant Dieu. On va se voir. Bon, parce que la semaine prochaine, elle sera en Allemagne. Moi aussi, je serai en Allemagne. La semaine qui suit, nous irons au New Bell. Voilà. Pour un barbecue géant. C'est là-bas. Devant son père, le président à moquer, je vais bloquer vos pages. Je vais vous bloquer. Je vais dire à Myam, c'est qu'on ne peut pas laisser les intrus, les sorcières, des dangereuses nous nuire. Seulement le discours haineux, ça peut me tuer. Vlop, je dis qu'elle va me donner, elle sera assise là. Ouais, Myam, elle me passe souvent à distance, sur le téléphone. Mais quand son mari ne me parle pas comme ça, elle me donne l'autre. Hein. Elle me dit, Myam, tu veux que donne-moi ton téléphone, je vais bloquer vos noms. Continue à crier, vous n'avez plus la voix. Vous irez dans sa page en faux profil. Elle ne va pas vous débloquer. Vous allez crier que ma faut débloquer ma que maman, elle va lire, elle va faire comme si elle n'a pas lu. C'est comme ça. Hein? Est-ce qu'elle ne parle pas de sa copine? Elle parle de sa copine, non? Les pleurs de ça. C'est vous qui avez voulu la trahir. Oui, on a entendu, vous avez dit que vous l'avez mis dans la poche. C'était la poche de quoi? Vous avez fait quoi comme plan derrière? C'était quel plan qui était orchestré derrière son dos? Dans les voices que le peuple. Je parle à mon nom, hein. Je ne parle pas au nom de Myam Sœur, je parle à mon nom. Je vous rappelle qu'elle ne m'a pas mandaté de dire quelque chose. Mais c'est le Congo ça. Nous, on fait le Congo ça. Maintenant, là, que je suis Myam Sœur, tout est permis. C'est le Congo ça. Je parle à mon nom. Elle ne m'a jamais mandaté de venir parler. Elle n'est même pas qu'elle classe sa copie. Elle m'a dit que le lot ne la classe pas. Je mets le tout, c'est pas ce qu'elle veut. Dites-nous. Je dis, hein, je rentre à Paris. Nous allons faire le direct. Nous allons débuffer les voices de Monsieur Messan. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça ne choque pas. Oui, vous m'avez appelé ténèbres, que je monte les couches sur Myam Sœur, que je vais finir avec Myam Sœur dans le noir. Alors que c'était vous, ses amis, qui avez voulu la finir dans le noir. Et je vais entrer, je vais demander au monsieur, mais ça ne m'envoie les voices là. Je vais faire le décryptage. Oui, des voices là. Il faut que le monde entier sache la vérité. C'est à cause de ça que vous voulez maintenant détourner l'opinion publique, tribaliser la chose, politiser la chose, faire comprendre aux gens que notre réconciliation, c'est tribal. Alors que Myam Sœur a vu le mal venir de loin. Elle a dit que non, bête, je fuis, je reste ami avec tout le monde, que de détester les gens, alors que même ceux qui sont avec moi veulent me tuer. Donc, nous allons décrypter ça quand je rentre sur Paris. C'est qu'est-ce que c'est ça? Oui, parce que vous avez honte. Vous avez honte des plans que vous avez fait derrière son dos. Vous avez honte et pour vous n'en parlez même pas. Regardez un peu comment vous méprisez la personne. On n'a pas vu une blogueuse, bon, celles qui se font passer pour les donneuses de leçons, débriefer cette histoire. On n'a pas vu les blogueuses parler de ça. Mais dès qu'on s'est réconcilié, elles sortent de partout. Nous allons revenir à la jeunesse. Parce que l'affaire Messan doit revenir devant les feux des projecteurs. Je vais parler de ça. Monsieur Messan, excusez-moi, mais je vais parler de cette affaire. Parce qu'il y a des voix qui sont sorties, des voix scandaleuses. On dit un voice, des voix scandaleuses. Nous allons parler de ça. Nous allons mettre le monde entier. Je dis que je vous invite à partager le direct là, le jour là. Je rentre demain sur Paris. Je pense j'ai mon vol à 20h. J'arrive à Paris. Ah, j'ai fait le truc avec le téléphone là. J'arrive à Roissy Charles de Gaulle. Je m'en vais au Nouvelle. Je mets un peu boire mon champagne. Je rentre lundi. Parce que Gloria à Paris, un joyeux anniversaire à mon bébé Ethan, mon Américain, il a 1 an de plus, il a 5 ans aujourd'hui. Mon bébé que j'ai vu naître et mon bébé que je vois grandir. Je t'aime beaucoup Ethan, mon Américain en moi, mon bébé chéri, tata, maman l'autre t'aime, je t'aime très 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 fort. Joyeux anniversaire et nous allons toujours veiller sur toi, tant que je suis là. Comme on a dit que Michela, père, gagne, les enfants de Michela sont mes petits-enfants. Je vais toujours vous protéger. Je serai toujours là pour vous. Que le Seigneur te protège de toutes les mauvaises ondes. Ceux qui prononcent le nom de ta mère, je veux que tous les malheurs s'abattent sur eux. Au nom puissant de Jésus, moi qui crois en Dieu. Joyeux anniversaire, mon bébé. Joyeux anniversaire, Ethan, Steve. Happy birthday. J'ai dit. Que quoi? T'as le de corriger passer un lapsus. Au moins tu sais lire les commentaires. Le bon Dalida. Donc, je disais tantôt que maman le Congo sait ce que nos pages sont monétisées. C'était par respect pour Myam Sœur. Non.
Malgré que je ne parlais pas avec ma âme sœur, hein, j'avais décidé que au début d'année, tout ce qui la concerne, je vais éviter de parler de ça. Je vous jure, devant Dieu et devant les hommes. Mais le Lomania le plus proche, comme les Talita Koutes, les Carole Bowen, l'étoile de Lomania, la puissance américaine, elle est là. La reine de Lomania, Julien Zombie, elle s'était informée. J'avais pris cette résolution-là que non, je vais un peu éviter de mélanger ça, je vais me concentrer. Donc, c'est à cause de l'absence que j'évitais certains débats. Oui, certains trucs. Mais comme vous m'avez attaqué, comme la réconciliation, si vous vous faites mal, et que vous voulez tourner les choses contre nous, vous voulez mentir aux Camerounais, vous voulez mentir au gouvernement camerounais, vous voulez mentir à l'Afrique entière, que Mayam Sœur et moi, c'est une réconciliation tribale. Alors que dans cette réconciliation, il y avait une personne qui n'est pas de la même ethnie que nous, qui est la veuve joyeuse, mais qui est camerounaise. Et qu'on a fait la réconciliation de la même façon, il n'y avait pas de différence. Nous sommes amusés, nous avons passé un week-end inoubliable. Mais je ne sais pourquoi, à la sortie de ce week-end-là, les gens continuent à multiplier les directs. Nous sommes à une semaine aujourd'hui, les directs se multiplient. Genre, parce qu'elles veulent salir notre image. Elles veulent montrer aux Camerounais que nous sommes des tribalistes. Elles sont celles qui aiment le Cameroun. Et je vais vous dire pourquoi elles font ça. Parce qu'elles ont chié dans leur caleçon. Parce qu'elles ont chié. Elles ont honte. Le véritable problème est là. C'est la trahison. C'est la trahison. Et les coups montés. On a pris, on faisait pas derrière, on mentait à ma soeur que c'est moi la ténèbre, alors que les vrais ténébreux étaient là avec elle. Les vrais ténébreux l'appelaient tous les jours que, oh, les mafos, les barènes que, oh, les bassessis, pour manger son cerveau. Parce que vous savez que les mafos, c'est gens qui aiment les éloges. Entre nous, à l'ouest du Cameroun, les mafos aiment les éloges. Quand tu t'apprends, ah, ma mafos, même si elle avait gardé même l'argent, où elle va te donner. Parce que c'est comme ça, c'est que c'est inné, c'est quelque chose de naturel. C'est un truc qu'on est avec. Elles sont comme ça, elles aiment les éloges, elles aiment combien, elles sont des princesses quoi. Donc elles aiment qu'on les prend vraiment comme des princesses, qu'on les prenne comme des princesses quoi. Donc c'est un peu comme ça. Et quand tu veux prendre une princesse, il faut faire quoi? Il faut faire des éloges à la princesse, elle adore ça. Donc elles ont voilé les yeux de Mayam Sœur. Et Mayam Sœur, elle a rapsèze mon frère, elle a rapsèze. Vous oubliez qu'une mafo a une sagesse qui n'a pas de nom. Au village là-bas, les mafos là, ils connaissent même pas lire ni écrire. Mais ils ont une sagesse qui n'a pas de nom. Vous savez bien qu'elle avait le. Elle a absence, mon frère. Elle a absence. Vous savez qu'elle était mougou. Elle n'était pas mougou, man. Elle a absence. Maintenant qu'elle veut parler avec sa yamseur, vous pleurez. Oh, c'était les habitants comme ça. Oh, vous avez vu ma réconciliation avec telle personne. C'était une bonne réconciliation. L'autre n'était pas bien. On ne criait pas. Nous, on crie. Parce que nous ne sommes pas les femmes coincées, man. Nous, on crie. Parce que nous ne sommes pas les femmes coincées. Vous êtes des femmes coincées. Vous êtes parti en Europe. Quand on vous amène dans les restaurants, vous êtes ébahis dans les restaurants. Hein? Moi, je n'ai pas mangé à Monaco, dans des grands restaurants à Monaco, avec ma marraine Geneviève Ngontamak, dans des grands restaurants à Cannes, un peu partout à la Côte d'Azur. Même ici en Allemagne, je mange dans les grands restaurants. Même lire le menu la dépasse. Lire le menu, lisez. Lisez le menu. Même ici en Allemagne, j'arrive à lire. Hein? Même quand c'est là, il y a les mains. Hein? Vous lisez le menu la dépasse. Vous voulez parler, mais qu'un. On va finir avec vous. Même l'île au monde, vous avez vécu où? Vous n'avez pas vécu. Vous êtes un djouk sanga. Ma soeur arabe le sens. On voulait prendre sa place de Numba Uno. Aïe. Tu vas lui parler. Aïe. Maman, elle a compris vite. Vous allez nous expliquer pourquoi? Qu'elle veut dire la phrase? Nous l'avons dans la poche. Nous l'avons dans la poche. Mettre quelqu'un dans la poche, c'est de manger même son cerveau. C'est que cette personne est devenue comme votre toutou. Quand vous dites que va, elle vient. Donc elle descend. C'est qu'elle n'a plus le contrôle sur son propre corps. C'est qu'elle a perdu le contrôle de son corps. C'est qu'elle devient votre. Donc vous êtes un peu comme des pervers narcissiques, quoi. Vous êtes comme ces gourous. Même on croyait que c'était elle qui vous manageait. Alors que par derrière, les plans étaient orchestrés pour nuire à sa vie. Nous avons écouté les voix de Coco Kouetou. Je vous demande pardon, mais le nom là va sortir. Nous avons écouté ses voix. C'est à partir de là que Yam Sœur devait comprendre que c'était un plan. Et je vais vous dire où le plan a commencé. J'invite ma Yam Sœur ce jour-là de ne pas regarder mon direct. Sors de mon direct. Je vais d'abord te bloquer.
tu sors de mon direct. Ne viens pas dans mon... Parce que la fessie en train de tourner comme si c'est... Elle veut nous détruire. Elle veut monter au Cameroun que nous sommes des tribalistes. Elle veut chasser les bêtises, les doigts là, les bassins, les mates pondus, les gilets zombies. Tous ces filles là qui me soutiennent depuis longtemps que non, Lolo est tribé parce que c'est le conseiller et sa soeur. Je ne vous laisserai pas faire. Je vous dis non. Parce que j'ai la capacité, j'ai la poigne de m'asseoir et de vous parler. Je n'ai pas peur de vous, hein. J'ai la poigne et la capacité de vous parler. Je n'ai pas peur de vous. Je vous dis ça. Quand ça ne va pas, on peut se mettre. On se clash, pop. Et ça sera pas le clash. Ça sera les quatre vérités à la tête à l'OTV. Oui. On va vous dire les vérités. On va vous dire les vérités. Les vérités que Mariam Sœur ne veut pas vous dire parce qu'elle a peur de vous offenser. Parce qu'elle est, elle a, parce qu'elle vous aime tellement qu'elle a peur de vous offenser. Moi, je vais vous dire ça. Oui. Je vous dis ça. Elle, peut-être elle n'est pas consciente, peut-être comme on l'a mis dans la poche là. Vrai, peut-être on l'a mis dans la poche que même pour parler ça la dépasse. Moi, elle est venue parler à sa place. Et sans demander son autorisation. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous allez nous donner la signification de que elle est dans notre poche. Ne parle plus, ne dis plus rien. Ferme ta bouche. Nous, on l'a déjà dans la poche. Vous allez nous donner, vous allez nous expliquer que veut dire cette phrase là. Nous voulons savoir que veut dire cette phrase-là. Et nous allons partir du départ où vous m'avez appelé ma ténébreuse. Sortez un voice où j'étais dans les ténèbres. Si elle parle pas ma âme sœur, je peux sacrer son nom, c'est sur derrière. C'est, mais je sers son nom. Mais si je suis comme je suis comme moi, elle et moi, on s'est réconcilié là. Que quelqu'un sorte un voice où j'ai parlé d'elle. Depuis samedi. Sortez le voice, je vois. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais vous là, vous êtes déjà amis. Nous avons suivi les voices. Vous encouragez. Vous avez fait ma sœur, ma sœur m'a détesté pour la fête de Coco Poitou, que c'est moi qui ai demandé à Coco de créer la page. Non, on a vu ceux qui ont créé la page. Et je vais vous dire où le coup d'état raté, manqué. Le coup d'état raté. Ça a commencé à partir de là. Le coup d'état était déjà bien construit. Mais comme à un moment donné, les abeilles ont commencé à donner les étoiles un peu de l'argent, et ils ont commencé un peu à dire que non, peut-être les gens ils sont bien. Et je vais vous dire, je vais vous rappeler quelques directs d'avant, hein. Je vais vous rappeler quelques directs avant. Ce qui dit que Mayam Sœur m'avait insulté, elle avait insulté. Moi-même, je l'ai insulté bien, mais est-ce qu'elle est loupée? Vous voulez que je dois limiter comme un classe? Je vais limiter. Quand elle avait raison, je commence à. Je cherche là, en fait, je m'habille comme elle. Je vais commencer à limiter ces gars et mon argent. Oh, hein. Je limite comme elle me clash même que Lolo pipi, maman. La piscine, elle est où? Je vais commencer à faire ça dans l'humour. C'est propre direct. Je regarde comment elle fait. Après, elle m'a souhaité, elle gagne mon argent avec moi. Même si elle m'avait dit, avec quoi? Elle m'a tué quelqu'un. Je dis que le direct de la vérité, c'est mardi, à partir de 20h. Mardi. Le direct, non, mercredi. Le direct de la vérité. Dans le coup d'état manqué. Et ils veulent encore vivre le coup d'état. Cette fois-ci, vous allez pas, vous allez toujours rater vos coups d'état. Le décryptage de ça. Par mes sangs, je vais t'appeler le jour là. Je vais t'appeler en direct. Je vais appeler par mes sangs. Il va nous raconter l'histoire qu'on t'a dans la poche. Oui. Par mes sangs. Et il dit que les Bamlékés sont les bêtes. Que les Bamlékés sont bêtes. Parce que nous avons déjà fait comprendre. Non. Gardez-moi les cœurs. Vous ne mettez pas 10 000 étoiles. C'est vrai, vous ne mettez pas. Je fais pas moi le direct là. Et vous faites le chantage à l'air, Simon. Hé, maman. Quand je pense, c'est moi au direct qu'elle veut faire là, maman. Je vais oublier quelque chose. Il y avait quelque chose qui est venu dans ma tête là, maintenant. Yé, yeah, maman. C'était grave comme ça, maman. Oh, j'ai oublié, maman. Ouloulouloulou, crions sur vous. Je vais vous traiter. Flon ne m'a pas mandaté. Je demande sur le direct. Attends, il te bloque. Je ne te bloque même pas, souffre de parler. Je ne te bloque pas, reste là. Flo ne me mandate pas, il parle à son nom. Je parle à mon nom. Merci beaucoup, Larenta. Elle ne m'a pas mandaté. Vous savez que je suis le général des abeilles. Oh, maman, vous me donnez un nom, vous voulez encore pleurer, ma. Vous n'avez pas dit que je suis le général des abeilles. Mais j'ai fait le travail du général, non. On peut pleurer comme ça. Je m'attime, hein. Vous voyez, les lolomanias sont là, non? Les lolomanias sont versés dans le direct. Je ne laisse pas mes lolomanias. Je ne laisse pas mes lolomanias, mais je suis la tante des abeilles. Et m'a fait la tante des lolomanias. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais on va d'abord vous dire vos vérités. Ce qui est sûr, c'est ça, ma. On va que faire le décryptage mercredi à 20h. Pendez-vous. Ça va sortir comme ça va sortir. Hey, maman, le fait de ça. La famille, hey, maman, pardonnez-moi 2500 euros. Yeah, maman, peut faire les gens. On vous a fait les abeilles. Et parlez. Ouh. Elle m'a pas mandaté. Elle ne veut même pas que je parle de ça. Mais elle veut dire que ma laisse-moi pardon. Parce que la fin qu'on a fait la paix là, elle faut que tu le dis alors, à condition. Tu leur dis de ne plus parler de notre paix. Moi aussi, je ne parle pas d'eux.
Parce que si pas de notre paix, je viens venir montrer aux Camerounais que ce sont les vrais tribalistes. Nous avons écouté dans les voices. Où ils ont dit que les Mablékés sont les bêtes, les balades, les bêtes, les bidons, bidons, les Mablékés. Mais comment? Vous venez devant les caméras, venez nous dire que vous aimez les Mablékés. Mof, c'est le mensonge, c'est la famine qui vous fait dire ça. C'est la famine qui vous fait dire ça. Vous n'avez pas le choix de venir dire ça. Vous avez faim. Si il y a un outil à la mamie, vous n'avez pas dit que vous avez faim. Vous avez oublié de faire la mendicité. Et quand un mendiant a faim, il ne gère pas les petits détails. Il a oublié de faire comme mais comment? Il est même capable de lécher depuis la personne dont on va que vous donner le gré de décryptage. Le décryptage, pas, mais ça va être appelé. Il va appeler Madame Messan. Oh. Par là, il sait que c'est pas Messan qui est le plus grand tribal. Il a insulté les Mablékés. Je vais ressortir vos directs et je vais déposer ça sur. Et vous allez écouter. Si vous voulez pleurer, pendez-vous. Vous m'appelez le général de l'abeille. Deux général. Ok, va leur faire le travail de général. Vous savez ce qu'un général fait, non? Le général est là pour la sécurité du président de la République. Je vais leur faire la sécurité, là. Quand vous aimez ce moment, venir attaquer les gens, quelqu'un n'a même pas envie de parler. Vous voulez détourner les Camerounais. Que vous êtes, c'est vous, les terroristes des réseaux sociaux. C'est vous qui avez formé un clan de tribalistes pour nuire à deux filles qui vous rend malade. Aujourd'hui, ces filles ont décidé de s'unir, de faire la paix. Ça ne veut pas dire qu'elle fait pas aussi la paix avec vous. Moi, je ne peux pas faire la paix avec vous, avec certains blogueurs, jamais de la vie. Non, jamais. Parce que vous avez souvent que vous êtes. Je ne veux pas la paix avec vous. Oui, c'est moi si vous me demandez les excuses. Parce que j'ai raison. Oui. Et ça, c'est maman Jean. Parce que maman Jean, quand elle se lève, elle insulte ma mère. Ça m'énerve, elle insulte aussi sa mère. Que, ouais, mais bien, ça ne choque pas. Mais c'est maman Jean. Oui. Donc, les Lolomania. Les abeilles, les tendons, les mandons japap, les fidèles de l'église du pasteur supérieur de Pouamougou, les Monica Diaz, les Véronica Mas, tout ce team-là, les amis de la paix, soyez nombreux, mercredi à 20h, je vais leur donner ça sans vaseline, à condition, si j'annule ce rendez-vous-là, c'est que ma sœur doit parler aux gens-là qu'il faut qu'ils arrêtent de parler de nous, de parler de notre paix. La Russie, Tatana, et de rêver bien et de coco et tout. Ce sont mes alliés. Si elles arrêtent de parler de ça, si elles continuent à parler de ça, je sors les voices et je fais le décryptage même de une semaine. Si c'est pour insulter, moi, je vais venir vous insulter. Vous dites que vous insultez les enfants des gens. Je vais insulter vos enfants. Je vais insulter vos mères. Je vais insulter vos grands-mères. Je vais insulter vos grands-pères. Et ça ne choque pas. Vous n'allez rien me faire. Comme vous dites que vous êtes cru dans le clash, je vais vous montrer comment on déterre les morts. Et les Lolomania, restez connectés. Vous ne parlez que de moi et de l'amitié avec ma foi. Ne parlez pas les gens qui sont venus se balader à Paris là. J'avais attaché ma chèvre. Je suis parti, la chèvre s'est évadée. Vous avez compris quoi? J'ai attaché ma chèvre. Ma chèvre s'est évadée. Ma chèvre s'est évadée. Je vous en prie. Laissez la chèvre se balader. Quand je vais rentrer, je vais encore attacher ma chèvre. Pour le moment, laissez la chèvre aussi aller bouter un peu partout. Elle a faim. La chèvre a faim. Parce que depuis un mois, deux mois, je ne nourris pas ma chèvre. Je ne nourris pas ma chèvre. Et comme ma chèvre a faim, et comme elle était têtue avec moi l'autre jour, je dis que bon, j'ai encore vissé que je ne te nourris plus. Donc la chèvre a réussi à détacher son pied. La chèvre est têtue. Je n'ai jamais vu une chèvre têtue comme ça. Demain, n'allez pas courir la tête de la chèvre là, l'autre jour. Cogner la chèvre là, pourquoi la tête c'était un problème. La chèvre là s'est évadée. Pardon. La chèvre, écrivez, la chèvre s'est évadée. Tintin pantalon attaché sa chèvre, ma. Tintin pantalon, t'en es parti à. Vous pental. Elle est partie à vous pental en Allemagne. J'appuie seulement que la chèvre s'est évadée. La chèvre déjà, on dit que la chèvre est partout. La chèvre cherche quoi dehors? Dites-moi, laissez la chèvre, ne cherchez pas la chèvre, pardon. Ne mentionnez pas son nom quelque part. Parce que si la chèvre, en tant que vous appelez son nom, elle va venir vous déranger avec les bé, 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 bé. Et quand je ne suis pas là, il n'y a que moi seul, avec Tata Nana, que nous pouvons tenir la chèvre là. Quand ça me dépasse, n'allez même pas arrêter d'un pied. Il n'y a que Tata Nana et moi, que nous pouvons tenir la chèvre là. Mais si vous partez, commencez à appeler son nom, la chèvre va venir vous déranger, hein. Elle va commencer à faire bé, bé, bé. Vous n'avez pas dormi la nuit. Elle va bavarder jusqu'à. Parce que c'est une chèvre qui crie, bavarde beaucoup.
pardon, ne parlez pas de la chèvre. Vous avez compris quoi? Parlez pas de la chèvre. Vos les abeilles, là, votre mafo au Luxembourg. Les Lolomaïs, je suis ici là. Partagez seulement mes sorties. Partagez, faites les commentaires sur ma page. Boumanyanga, on me dit qu'il y a un buzzer là. Allez sur le buzzer là. Qui tue pas l'épée, meurt pas l'épée. Mais je ne peux pas parler de l'épée parce que c'est une fourmi. C'est une fanatique de Lolo. Elle est fanatique. Et quand elle chie, elle voit comment elle chie. Quand elle binda, elle voit comment elle binda. Elle fantasme sur mes gars. Dès que je laisse un, elle est derrière. Je laisse l'autre, elle est derrière. Donc, elle suce mes os. C'est une fantôme. Donc, là-bas, hein, comme les Lomans disent qu'elles sont sur ça, restez sur ça. Sur le pasteur super haut, partout où vous venez. Mais dit que la chèvre. Ne parlez pas de la chèvre. Zéro besoin, hein, le poteau de sabre. Tu as affaire à deux têtes qui ont maîtrisé les réseaux sociaux. C'est pas bien qu'ils veulent pas la réconciliation. Ils veulent pas la réconciliation. Par exemple, on maîtrise les réseaux sociaux. Quand nos followers disaient qu'ils ne parlaient pas de toi, tu passes inaperçu. Chante, fais même bé. La chèvre s'est évadée. La chèvre s'est évadée. La chèvre, elle est têtue, maman. La chèvre, elle est têtue. Elle a même fait comment pour aller. La fois que j'ai serré la corde de la main, j'ai serré la corde, la chèvre a réussi à s'évader. Donc la chèvre est têtue. Oh non. Non, la chèvre est têtue, maman. Non, Thérèse, tu as mal. La chèvre est têtue. J'ai serré son pied. Non, la prochaine fois, je vais mettre les minutes. Aïe. La prochaine fois, je vais mettre les minutes, maman. Je vais voir la chèvre va lever les minutes, c'est bien. La prochaine fois, je vais mettre les minutes. La chèvre a détaché la corde là, qu'elle a attachée. L'attachée, maman, plus comment on attache. Donc j'ai pu le... Mon maître m'a dépassé, ma. Je suis pas dit... Comme si je voulais l'attacher, c'est mon maître, non. Il, comme il attache là. Il m'a mordu, j'ai pu la corde noire. J'ai attaché le pied de la chèvre là. J'ai dit que c'était... C'est comme ça. J'ai attaché la chèvre, elle boite. Je demande, hein, la chèvre boite. Peut-être elle boite, hein. Peut-être la chèvre boite. Peut-être elle a envie de boiter. Peut-être que elle a... La chèvre doit boiter, ma. C'est sûr qu'elle boite. Parce que la gars, sûrement, elle a même cassé son pied, on a enlevé la corde là. La façon que j'ai serré... Merde, j'ai serré la chèvre, mon meilleur. On dit que la chèvre s'il va vivre. J'ai serré son pied. Peut-être la... Non, la chèvre boite. La chèvre boite. Envoyez-moi les minots, la chèvre boite. Elle a de boiter. Elle boite, la chèvre est trop têtue. Non, la chèvre est trop têtue. Elle me dépasse. La chèvre est trop têtue. J'ai attaché, serré le pied, la chèvre là jusqu'à. La chèvre là s'est détachée, ma. Non, la chèvre est têtue. C'est sûr qu'elle boite. Elle boite. Elle boite, la chèvre la boite. Elle doit marcher avec un pied comme ça. Elle doit boiter. Je suis sûr. C'est pour ça qu'elle cache avec la longue ronde. Elle cache avec la longue ronde. Je vous jure. Elle, sa tête. La tête de la chèvre. Tu cognes ça n'importe comment. C'est bé. Ma. La chèvre dit que quoi? Quand elle veut rentrer, elle va tacher la chèvre. Le tout, c'est vrai. Je vais prendre les minutes. Non, je veux qu'elle parle, il faut qu'elle puisse sur toi. Je veux qu'elle prenne les minutes. Je veux mettre les minutes sur tes pieds. Merde. Oh non. Non, la chèvre. Non, Tindy, pardon, va t'attacher, ma. Elle ne peut pas te laisser. Tu pars où? Je dis qu'elle a le long pantalon, elle boite. Elle boite. La chèvre a faim. La chèvre a fait. La chèvre est restée. Quand j'ai attaché la chèvre, la chèvre est restée. Elle n'a pas marié depuis. La chèvre a commencé à pleurer. La chèvre a faim. La chèvre a pleuré. La chèvre a pas payé par poule. La chèvre a pleuré. Elle a réussi à couper la corde là jusqu'à. On me dit qu'elle est où? Hey! La chèvre a fait comment pour arriver là, maman? Non, je ne suis pas forte, maman. La prochaine fois, je vais appeler l'attaché qui va m'aider à attacher la chèvre là. La chèvre là, on me dit qu'elle s'est évadée. Elle est en train de crier là-bas que c'est là-bas. Elle mange déjà même au restaurant. Hey, la chèvre est pas on a de le plat. Les couverts, elle mange déjà bien, mon frère. Non, ça m'énerve. Ça m'énerve comment la chèvre là. La fois qu'on m'a dit que la chèvre a bien mangé, yeah, elle m'a dit que yeah, malé. Non, la chèvre a bien mangé. La chèvre a bien mangé, ma. Hey, la chèvre de méta. La chèvre, on m'a dit que la chèvre a mangé jusqu'à. Elle faisait seulement comme ça. Que la chèvre faisait comme ça. Qu'elle avait la serviette, faisait. Oh maman la chèvre, oh. Maman dit que la chèvre a bien mangé, la chèvre avait la famine, non, la chèvre, elle avait faim, non, la chèvre, je vais t'attacher qu'elle veut rentrer, ah mof midé, ma tache, que, ting pantalon, elle va t'attacher comme ça là, yeah, elle dit que la chèvre est partout, elle cherche les gens, elle dit que la chèvre a mangé, la chèvre dit qu'elle attend qu'elle a bagarre, elle veut bagarre avec le lion, ma, elle veut la valer. Oh, la chèvre, oh la chèvre, oh la chèvre, oh la chèvre, oh la chèvre. Parlez de quelle heure? Elle est dans ma poche. Nous l'avons dans la poche, donc c'était un groupe. Elle est dans ma poche, c'est une personne.
elle est dans ma poche. Je dis que merci beaucoup. Tu vas être mal, la chef m'a dépassé. Non, on va arrêter la chef. Elle est dans ma poche. Il est. Tu es. Elle est. C'est un peu. Nous l'avons dans la poche. Nous. Eh non, je pars. Ouh, il est 16h. Nous l'avons dans la poche. Nous, c'est plusieurs personnes. Donc, c'était un groupe. C'était un groupe. Madame Sœur, tu vas peut-être te fâcher, mais il faut que le monde entier, parce que je m'appelle colonel, je suis tata de l'OTV, je suis détecte, je suis Colombo. Je suis Colombo. Je sais, quand j'écoute quelque chose, je peux te dire tout ce qui s'est passé sans voir, sans avoir été, comment dire ça? Sans avoir été dans le coup, je te dirai ce qui s'est passé. Que toi-même, tu ne sais pas jusqu'à aujourd'hui. Et à partir d'où ça a commencé. Il faut que les gens sachent, qu'ils soient, tout le monde soit au courant de tout ce qui a été planifié autour de toi. Parce que demain, ça peut aussi arriver que tu me sauves. Quand tu étais au Cameroun, quand tu avais pu pour Interpol, tu as envoyé la convocation. J'étais avec ces mêmes gens. Je vais te retrouver le retour à la. Je vais te. Comment on dit ça même en français Ah, mais je vais me rappeler. Parce que parfois, j'ai un peu les petits filets de moi. Là. Le retour à l'ascenseur. Voilà. Quand j'étais au Cameroun, j'étais avec ces mêmes gens. Je mangeais avec ces gens-là. Je faisais les directs pour insulter les gens pour ces gens-là. C'était l'amitié, c'était l'amour. Renvoyer l'ascenseur. Bon, voilà, ce retour à l'ascenseur, renvoyer l'ascenseur, c'est la même chose. Lui renvoyer l'ascenseur. Retourner l'ascenseur, c'est pareil. Donc, ça, je mangeais avec ces gens. Je riais avec ces gens. Je faisais tout avec ces gens. Mais je ne savais pas que mon nom était à l'Interpol. Je ne savais pas que mon nom était à Interpol. Enis de l'Okameni, ma fille chérie, merci, bonjour, merci pour le cœur, moi aussi je t'aime. C'est toi, quand tu es au Cameroun, tu n'avais pas quelque chose à gagner parce que j'étais ton ennemi. J'étais ton ennemi. Et même mes Lolomania jubilaient, certains jubilaient de ton arrestation. Malgré tout ceci, tu as envoyé la capture d'écran à quelqu'un et tu as dit à la personne que dis à Lolo que son nom est parmi les personnes qu'on va arrêter. Ça, je n'oublie pas. Et c'est à mon tour aujourd'hui de te dire la vérité de ce qui s'est passé autour de toi. Libre à toi d'être ami avec eux ou pas. Vous serez toujours des amis, mais les Camerounais doivent savoir la vérité avec les Africains. Parce que notre réconciliation, ils veulent détourner notre réconciliation. Ils veulent tribaliser notre réconciliation. Ils veulent, quand tu pars au Cameroun, tu arrives dans les, devant les autorités, on dit que non, elle est tribaliste. Elle veut qu'on te pointe du doigt quand tu arrives quelque part, que les écarts ne t'aiment pas, que les bassins ne t'aiment pas, que les dollars ne t'aiment pas. Comme toi, comme moi. Ils veulent nous salir. Et à cause de ça, je suis obligé de revenir à la jeunesse et dire aux Camerounais pourquoi, à un moment donné, tes ancêtres t'ont demandé de faire la paix avec tout le monde. Parce que je suis de moi que le voice que tu as écouté chez mes sangs là, ça t'a fait un déclic. Puis, et donc, nous allons parler de ça. Ouais. Nous allons parler de ça. Ça va faire mal, mais tout l'être déballé dehors. Nous allons parler de ça. Beaucoup de courage, ma soeur. Faisons attention. Les gens que nous fréquentons, la mort de quelqu'un ne vient jamais de loin. Et les gens comme nous qui avons le bon cœur, là, on meurt vite. Mais en fait, tu as le cœur comme moi. Il ne faut pas me suivre, bavarder. Bon, 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 là. Je ne suis pas méchante. On meurt très, très vite. Je peux faire Bolingo qui dit souvent que zéro paix. Quand elle veut te mettre le poison, elle te dit ça ou quoi. Mais elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas dire ça parce que quand elle est énervée, elle dit des mots durs. Mais elle n'est pas méchante.
Elle est seulement crue dans le clan. Donc, je vais tout dévoiler. Monsieur, me changez, besoin de voix, s'il vous plaît. Non, je vais penser à Tata Nan, ne vous inquiétez pas. Mercredi à partir de 20h. Il faut que les Camerounais soient au courant que Lolo n'a jamais rien planifié contre quelqu'un. Et maintenant, Lolo s'est réconcilié avec sa yam sœur. Ce sont ces mêmes personnes qui veulent nous salir, qui veulent nous détruire, qui veulent nous vilipender, qui veulent nous caricaturer, dire des choses qui ne sont pas vraies. Alors qu'au fait, ce sont celles qui font toutes ces choses-là. Ce sont elles qui sont tribales, ce sont elles qui sont machiavéliques, ce sont elles qui sont des ténébreuses. En vrai, je ne dis pas ça pour que les abeilles m'aiment, mais moi j'ai une team. Hein. J'ai une team. J'aime les lolomania. Lina Ru là, c'est une lolomania. Carole Corène là, Bowen, c'est une lolomania. Hein? Vonvon Simit, sont les lolomania. Lolo vous dépasse, sont les lolomania. J'ai beaucoup de vrais profils qui me suivent, les lolomania. J'ai une grande communauté dans les, grands, les réseaux sociaux. Et une communauté qui est active. Une communauté qui est active, même quand on dit que même financièrement, je vous ai montré mon anniversaire. Hormis mon voyage pour Dubaï, rien que le PayPal, le Litchi, c'est parti à 5000 euros. J'ai monté, vous avez vu. Enis Lolo Kameni est Lolomania. J'ai montré mon Litchi de l'anniversaire, 5000 euros. Peut-être 5400 euros. J'ai dit que j'enlève le voyage de Dubaï seulement pour que j'ai reçu pour moi-même. J'ai une team. Peace, peace est là. J'ai une team. Même financièrement, elles sont là. Et les Lolo Kameni, la dernière fois, il m'a donné combien? Je ne dis pas la somme, mais c'est une petite qui est puissante. J'ai des Lolomania. Mais je dis ça parce que c'est vous qui me provoquez. C'est vous qui me poussez à faire certaines choses que je n'ai pas envie de faire. Parce que si quelqu'un a demandé la paix, il faut que même ceux qui sont autour d'elle soient dans la paix aussi. Mais ne me faites pas revenir dans les saletés. Laissez-nous. Nous ne sommes pas. Toi, j'ai dit qu'il y a une là qui avait bloqué. J'ai dit que quand elle était bloquée, elle écrit à la directe qui était bloquée sur sa page. Honte à toi. Quand tous ces bosses là sont venus, vous avez fait les directs. Quand Messan, il est pas sa soeur, vous avez fait les directs. Vous avez fait les directs pour donner votre avis sur ça. Vous n'avez pas fait les directs pour parler. Dès que comme c'est ma Yamse et moi, vous parlez. Quand on s'est clashé, vous faisiez les directs pour dire que non, Lolo a tort. Ta Yamse a tort. Vous voyez comment c'est réconcilié. Vous voyez que laissez-nous dans notre paix hypocrite. Laissez me tuer, un porteur m'amener au village. Laissez je tue, la tuer, je vais la porter, je vais l'amener au village. Laissez on se clash demain, il n'y a pas de problème. Ça ne vous regarde pas, on ne va pas vous appeler au renfort. C'est vous qui venez souvent seul pour chercher les vues derrière nous. On ne vous appelle pas, vous venez seul pour chercher les vues derrière nous. Vous ne venez pas parce que vous nous aimez. Voilà Gloria, Gloria Luis, qui est Lolomania. Luis Gloria, Lolomania. Donc c'est comme ça. Non, maman, je vais pas. Hein. Tu sais. Sarah connaît, ne reviens pas dans les classes. Oh Lolo, non, tu manques, tu es une adversaire, ma. Tu es de ceux-là. Et tu as mal. Parce que quand il veut parler de ça, les gens sauront la vérité. Maintenant, tu veux faire comme si tu m'aimes beaucoup. Tu me dis que Lolo ne revient pas dans le classe. Ce n'est pas le classe, c'est le décryptage, ma. Oh, Lorraine Lafleur, bonjour. Ce n'est pas le classe, c'est le décryptage. Si tu dis ça, c'est parce que tu as mal. Tu es de ceux-là. Mais tu veux faire semblant. Quand tu m'aimes trop, quand tu ne veux pas que je sois dans le clash, tu dis que parce que tu es de ceux-là, tu as déjà peur que la vérité sorte de ma bouche. Et c'est que ça va faire mal. C'est que tu me dis que non, tata, ne fais pas le clash. Je fais. Tu as compris? Clash de quoi? Tu parles de quel clash? J'ai fait le clash là. C'est pas que tu es de ceux-là. Tu es de leur groupe. Tu veux faire comme si tu m'aimes trop. Tata Lolo, ne fais pas le clash. Comment? Je vais que faire le clash. Je n'ai pas envie d'entrer étudier. Tu as vu Papoul, tu as vu Machan, j'ai même vu sa mère. J'ai vu la mère de Machan qui habitait derrière un pont musulman chez ma grande soeur. J'ai vu la mère de Machan là-bas, en direct comme ça, je l'ai vu. J'ai vu Machan, j'ai vu Papoul qui était encore petite à Kribi. J'ai vu Papoul. Je n'ai pas envie d'aller étudier, ma. Je ne veux pas aller là-bas. Tu as compris? Je vais faire ma télé. Même Yves Doro clash, souvent elle fait la télé. Yves Doro clash. Allez sur TikTok. Yves Doro clash, elle va correctement bien. Elle fait la télé. C'est sur moi que vous avez appris que quand on fait la télé, on ne clash pas. On clash. Vous mentez. Vous mentez. Yves Doro clash. Je mens. Yves Doro ne clash pas. Hein? Est-ce que Yves Doro ne clash pas? Dites-moi oui ou non. Vous ne partez pas mon direct. Il y a 1625 personnes depuis là, ma. Hey, maman. Vous ne faites pas ma demande. Ma a baissé. Hey, pardon, seulement 1625 personnes, ma. Je parle dans rien. Hey, ma. Très honnête, plus tard. Hey.
C'est pas grave. Vous êtes partout, partout, vous allez revenir sur le direct après. Yves Vidéo ne clash pas. Hein? Yves Vidéo clash. Hein? Le général de l'Omaha, bonsoir. Yves Vidéo clash. Hey, t'as envoyé à mi combien? 1223. Hey, maman! Ouh, bravo, bravo, bravo. Tu sais que moi j'aime les vues. Je suis moins une star. Quand il veut le dire, il n'y a pas les vues, je ne suis pas moins bien. Moi j'aime les vues. Connectez-vous à partir de 18h. Je vais vous montrer comment je serai habillé. Vous savez combien quoi? Je vais vous montrer à 18h. Vous allez voir comment la Oprah, la Tata Lolo, la sœur de Mayam sœur est habillée. Mayam sœur m'a dit que va à ta conférence. Tu reçois toutes les bénédictions là, ma fou. Wow, quand on cause, nous on fait nos commentaires, maman. Oh, Fleur de Lille. Parfois, quand elle parlait pas avec Fleur de Lille, hein. Quand elle fait un direct, elle appelle la reine de l'Omania. Il sac son nom. J'ai dit que maman, la fille là. La fille n'a pas fait la comédie. Et là, on va même manger sur moi. Elle manque sur moi jusqu'à. Regardez, elle peut faire la vie. Maman, je n'ai pas de pyjama, belle. Ouais, la gala, c'est une comédienne, ma. Elle manque sur moi jusqu'à. Elle est sérieuse. C'est que, oui, quand vous m'avez dit de mentir sur mon nom, Juju. Elle manque sur mon nom. Après qu'elle fait encore, j'ai dit que maman, le tout, c'est la raison, ma. Ma, faut clash. Je Il y a un Mayam clash, voilà, c'est ça. Là, tu as fait fort aujourd'hui, maman. Je suis fier. Clash, le tout, c'est ça et toi. Mais je suis dans l'ombre. Non, là, là, quand même, depuis que je suis quelqu'un, ma mère de mon frère. Mayam, reconnectez-vous à 18h. Vous allez voir comment elle va m'habiller. Mayam, laisse-nous faire notre décryptage, hein. Laisse-nous faire le décryptage. Par exemple, quand tu t'assures, vous faites le décryptage sur la de quelqu'un. Ah, mauve mille, elle a peur de mourir, maman. Le jour qu'elle fait le décryptage sur l'affaire de ma chèvre et moi. J'ai rien à regarder sur la caméra. Elle fait, tu parles devant la caméra seule. Tu étais là. Tu dis que tu étais là, maman. Tu étais là quand tu. Tu peux même casser ton téléphone. Quand tu étais là, elle dit que oui, hein? Maman, là, c'est ta tante. Tu partais faire quelle amitié? Tu étais. Maman, les abeilles m'ont sauvé. Les abeilles, disent que non, ma faux. N'étaient même pas de leur pour eux qui dans leur chaude. Mais quand même, les abeilles là, parfois, ils sont quand même, ils sont bien, hein? Même quand vous êtes ennemis, quand ils disent que non. La personne, c'est que nous, on déteste là. Tu ne peux pas venir prendre le parti de la fille là. Jamais. Elles vont étouffer les mains là. Étouffer que non, laisse, t'as même pas ton problème. Ne te mêle pas de leurs choses. Laisse deux places. Laisse, te regarde seulement. Merde. L'anglais, tu dis que. Tu es donc. Vous êtes des amis. Tu fais que quand tu es ami avec la femme là, que je suis mon ami, maman, c'est mon ami. Ouais. Ma, nous on va faire que ton décryptage, le décryptage de quai, la phrase que nous l'avons dans la poche. Voilà le sujet, la phrase, nous l'avons dans la poche. Mercredi à partir de 20h, nous n'avons que parler de ça. Oui, va donc, décryptage de ça. Laisse-nous dans notre décryptage. C'est qui est-ce, c'est ça? Oui. Hey, non, non, Maya. Seigneur, je m'avais préparé, pardon. La gare, fait, tu parles, tu pointes le téléphone, hein. C'est que, hein, tu fais la main au téléphone, comme ça, alors qu'elle est sur le téléphone, elle n'est pas devant toi. Hein. Tu
Tu étais là? Tu étais là quand tu parles, mais tu merde, la mère, tu devais regarder le téléphone. Tu étais là quand maman, tu pointes, tu fais le 6 sur ton téléphone, mon frère, l'anga. Je dis, gars, Maya ne m'appelle pas. Mercredi, elle va faire que le direct là. Tu mens. Ha! Maman, tu m'as eu. Ouais, mercredi, j'ai fait que le direct là. Tu fais le. Et si moi, ces adeptes sont en bas, les abeilles là. Ma faut ne mange jamais. Ça peut tuer quelqu'un. Ma faut ne mange jamais. Elle dit tout. J'ai dit, regarde-moi les gens là. J'ai dit qu'ils sont. Ils l'accompagnent. Elle s'est dit. Elle disait que. Mayam, sœur. Il fallait le voir la soirée là. L'autre avait le chapeau comme ça. Il fallait le voir. Elle. Non, j'ai dit que. Mercredi, elle fait mon direct. Je vais faire que mon direct, ma. L'affaire, c'est qu'on veut déposer sur nous, que nous sommes les tribalistes, je n'accepte pas ça. Aïe, maman, la fille a besoin, tu fais le ciseau au téléphone, ma. Tu dis au téléphone que tu étais là quand tu parlais ma chose. Tu parles de chose, pourquoi? Je n'ai pas de chose depuis. Laisse mon nom. Laisse. Maman, tu tapes le téléphone, hein. Tu... Ouais. Non, franchement, tu dis que ouais, tu parles au téléphone seul. Après, quand tu as fait la dépense, tu appelles quelqu'un, tu dis que moi, je suis là. Tu aurais un manque sur moi. Comment là-bas, comment là-bas, tu dis que manque. Ouais. Pendant que c'est trop marrant, les histoires des réseaux sociaux là, il faut vraiment penser au premier degré. Il faut mettre le cœur. Il faut pas vous énerver sur ça pour rien. Parce que si tu mets le cœur là, tu vas avoir lavé, c'est pour rien. Wallahi bilai. Hey, oh, tu mets le cœur là, tu vas mourir. Merde. Tu marches avec la femme, c'était. Tu marches avec la femme, tu vois pas que c'était l'ennemi de ta tante. Hein? C'était. Ta tante, hein? Vous voyez là, c'est la tante de Lolo, hein? Bon, après il vient dire que bon, là aussi elle est très dangereuse. La mère a failli me tuer, c'est à cause de l'argent. À la fin, hein, tu verras même plus qu'elle supporte. Elle est là-bas, elle est là-bas. Maman, ton déquita est souvent trop fort. Il y a ton déquita et le déquita de Dorcas. Et il y a. Quand Dorcas déquipe ta chose, hein, mère de mon frère, elle fait comme si elle était là. Hein. Quand vous voyez, je suis venu ramener Dorcas en direct. J'ai dit, yeah, Dorcas va y aller me tuer. Dorcas dit que vraiment, j'ai pu, depuis, j'ai mal resté là. Thérèse, j'ai mal resté. Elle dit vraiment, depuis là, je n'ai pas fait les directs parce que j'étais au village et les gens m'ont appris. Tu vois comment tout le monde est. Les lolomans étaient à la baquette. Hein? Les cœurs, Madon. On t'attendait depuis Madon. Tu étais où depuis? Hein, Madon, les Madon. Tout le monde est sûr qu'elle vient parler en ma faveur. Ah, mon fumide. Moi-même, j'ai partagé. Hey! Maman, j'ai partagé mon arrêt de mort, maman. J'ai partagé. J'ai dit que ma petite fille avait me défendre, même quand je ne l'ai pas appelée. Si je l'appelle, on devait dire qu'elle a appelé, elle me défendre. Mais comme elle est venue là, je suis que elle va quand même prendre ma part. Ma petite fille dit que vraiment, elle commence vraiment doucement, elle est dans le mono. Vraiment, j'étais très occupée ces jours-ci. J'étais au village, mais j'ai eu vent de cette histoire. On m'a appelé de partout. Les gens m'ont appelé qu'on attend ma sortie. Vous savez, les problèmes ne sont pas bien. Elle a commencé bien. Son premier direct, elle a commencé à clasher la chef. Deuxième direct, pourquoi elle a changé? Moi, je crois qu'elle va seulement venir continuer ce qu'elle a commencé. Hey, vraiment. Vraiment, Lolo, tu sais que quand tu es ami avec une personne, tu mets les cœurs quand on clash la personne. C'est les mêmes ceux qui nous ont créé les problèmes, c'est qu'il y avait les Lolomania. Tu as mis les cœurs quand on m'insultait. Vraiment, quand tu mets les cœurs, ta chèvre doit se fâcher. Elle n'appelle pas la chèvre, elle n'appelle pas son vrai nom. Hey, je suis devant la caméra, comme ça, dit que. Hey, maman. J'ai fait comme ça, hey, maman. Je ne vous manque pas. Je suis devant la caméra, je dis que. Hey. Ombo, j'ai appelé la Julienne. Oh Julienne, non. Oh Julienne, non. Ombo, donc, qu'est-ce que quoi? On a dit que. Je
vais mourir. Je ne peux pas laisser la fesse. Je vais lancer le direct. Oh maman, les gens sont pas montés de casse contre moi. Elle n'était pas là m'appeler. Et je l'ai appelé. Je lui ai envoyé le message. J'ai dit, oh non, non. Je commence à bagarrer avec le téléphone. Donc quand tu étais là, donc quand tu parles quelque chose, tu m'as appelé au téléphone Dorcas. Tu m'as appelé. J'ai dit que je parlais seul devant le téléphone. Elle parlait, dit que vraiment, elle n'appelle pas la chèvre. Elle n'appelle pas son vrai nom. Hey, j'ai dit que maman m'a pas sorti. C'est qu'elle a vécu en 2000. C'est qu'elle a vécu en 2023. Ça commence encore aujourd'hui, maman. Comme chaque jour, on dit son que maman. J'ai dit, yay. Donc, quand on doit faire la fessie, j'ai mis les étoiles. J'ai à peine allé, je m'appelle Tatana. Tatana, dis mon nom. Oh yo, yay, yay. Donc, elle dit que non. Nade, ma, je suis allé, c'est moi. J'ai enlevé le partage, ma. J'ai enlevé d'abord le partage que hier, ils sont même attrapés. C'est que j'ai partagé quelque chose qu'on me lave dedans. Elle continue à parler, hein. Tu vois comment le maillon commençait à changer la bouche. Même les abeilles disaient que non, tata, le loulou, il a même mis le cœur. Donc, on t'a pas bien expliqué. Elle mangeait, tout le monde est pas là-bas. Les commentaires sont, les commentaires ont basculé. Maman, c'était devenu la guerre. Oh, yeah. Tout le monde parlait mal du Dorcas. J'ai dit que, oh, maman. J'ai dit que, viens, Dorcas. Oh, Dorcas, je n'ai pas supporté. Ma, la tension était que comme ça. Si tu n'avais pas fait quelque chose, on dit qu'on j'ai fait. Ma tension était élevée, maman. Il voulait même taper mon téléphone au sol. J'ai dit que non, j'appelle. Oh, j'appelle, oh. J'appelle. On dit que non, on n'appelle pas, laisse ses fils. J'ai dit que je ne peux pas laisser que les fils sont directs. J'appelle là, là, là. Maman, dès que j'ai appelé. Hey! Donc, quand c'est les deux filles, là, quand elles font le déquittage de ta chose, elles peuvent être de la WC, mon frère. Que, hey! Après, donc, elle dit que bon, ma petite fille. Enfin, moi, je ne t'ai pas appelé parce que oui, si ça s'est passé, on sait que tu as raison. Donc elle mentait, elle chamait le nom, elle dit la main dans l'oie. Ouais, donc elle dit que la main dans l'oie est dangereuse. Donc ça cause des étoiles à faim. La bouche. Je suis rentrée, elle dit que enfin, mon corps est descendu, que merde. La fesse qui est partie me dit qu'elle allait mentir à Dorcas comme ça. Mais Dorcas était appelé dans un déquittage que la mère dans l'oie devait être contente jusqu'à. Elle devait jubiler. Et maintenant, comme elle a vu que Dorcas a écouté ce qu'elle vient, elle a vu que ma version était la vraie version. Elle part maintenant dit que j'ai grondé Mado. Oh, tu as grondé. Même s'il y avait grondé, ça fait quoi? Même s'il y avait grondé, ça fait quoi? C'est ma petite fille, tu as un problème. Elle peut pour là nous cogner les têtes. Oh, elle a grondé. Elle a parlé comme ça. Oui, j'ai grondé. J'étais en colère. Après, je me suis excusé en direct l'autre jour. C'est dit que je m'excuse s'il avait parlé comme ça. Mais c'est parce que tu es venu déposer un mensonge sur moi qu'elle elle a cru en ça. Et là, je n'ai pas aimé. Ouais. Donc, c'est non, pardon. C'est une autre comédie. Les deux gars, là, c'est pas une série télé. Hein. Ça va réussir. Le feu sort. Les filles, là, sont très fortes. Mais. Maman, hier, Frédéric, donc quand faisait un décryptage, là, il fait le décryptage sur qui, ou maman, sur Bombo illettré. Merde! J'ai dit que j'ai ri jusqu'à ce que maman, non, encore. Comment? Non, la femme, là, pardon. Donc, mes amis, je vais me. Parce que moi, je dois partir à 18h, comment il fait? Je vais faire mon make-up. J'aime bien me découper. 18h, la voiture, je vais me chercher. Allez. Oui, Dorcas m'aime beaucoup, beaucoup. Après, elle m'a appelé. Elle me dit, ouais, ma grand-mère. Je l'ai appelé. Comment tu peux me faire ça? Comment tu peux faire ça? Ta grand-mère dit que, ouais, ma grand-mère. Laisse, non. Non, elle ne voulait pas qu'elle donne le raison à Babalé. Donc, je vous dis, on ne parle pas. Ça parlait de la paix. Le but, c'est qu'on veut créer la zéro paix. La chèvre s'est évadée. Laissez qu'elle pas crier là-bas. Elle va manger là-bas bien. Quand elle va se rattacher, elle va venir attacher son pied, elle va la ramener, vous connaissez là. On ne parle pas d'elle. C'est ça. On ne parle pas de la chèvre. Mais dès que la chèvre va évader, et nous, c'est moi seul, son maître, qui peut venir attraper ma chèvre. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, laissez ma chèvre là-bas. Où elle est là-bas. Elle mange dans les restaurants. Elle avait trop faim. Laissez remplir son ventre. Je vais l'attacher qu'elle veut rentrer. Et bon, n'oubliez pas mon application TapTapSen avec mon code promo. C'est que je suis ambassadrice. Les gens confondent ambassadrice et champion. Champion, c'est celui que toi-même, tu peux être champion. Zara Mayamat, tu peux être champion. Thérèse peut être champion. Lolo ne voulait pas être champion. Vonvon Simi peut être champion. Sini Force peut être champion. Lolo ne voulait pas être champion. Tout le monde peut être champion. Il suffit que je te donne un code, tu deviens champion. Mais tout le monde ne peut pas devenir ambassadeur. Moi, je suis ambassadrice de TapTapSen. Signé contrat depuis 4 ans.
J'ai un salaire mensuel, donc je suis salarié à TapTapSend. Avec mon argent de TapTap, avec ma fiche de paie de TapTapSend, je ne vais pas aller justifier quelque chose avec ça. Parce que c'est déclaré. Je suis salarié à TapTapSend. J'ai un contrat là-bas. Donc, tous les mois, j'ai mon salaire qu'on me donne. Et maintenant, quand vous utilisez mon code promo, j'ai encore les pourcentages. Ça veut dire que quand vous utilisez, quand vous donnez 5 euros, j'ai quand même quelque chose dedans. Quand un client utilise mon code promo, j'ai 10 euros ou 5 euros, ça dépend. Donc, si j'ai peut-être 10 euros, 10 personnes, ça me fait 100 euros. Ça veut dire que ça augmente encore sur mon salaire de base. Bon, je relance à 18h pour vous montrer comment je serai habillé. J'invite tout le monde qui est du côté de... comment on dit ça encore? Vous Pertal. Venez à la conférence. C'est le dernier jour aujourd'hui. J'espère que vous allez vous déplacer. Bon, si vous ne venez pas, on va faire avec ce qu'il y a. Voilà, c'est juste pour remplir les formalités administratives qu'elles ont fait ça. Mais c'était aussi bien que vous soyez là parce que ça va faire... Nous allons débattre sur les bonnes causes, la violence conjugale. Et c'est, aujourd'hui, c'est moi qui présente... Qui va présenter mon projet, quoi, ce que je fais, pourquoi je me suis engagé à plaider cette cause-là. Vous Pertal, voilà. Donc demain, tout à l'heure, à partir de 18h, je serai déjà dans la salle parce que j'ai appris ma douche, je vais encore verser l'eau sous moi. Et l'eau, mais comme je ne mets pas trop beaucoup, je mets juste légèrement, je m'habille, je lance un tir, vous allez voir comment je suis belle. Oh là là. La fille du commissaire Pizer. Allez. Je vous fais des bisous. Enis Nolo Kameni, bisous à tout le monde. Je t'aime parce que tu es bien. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, Diane de la puissance. À tout à l'heure. Allez, ciao, ciao, ciao. Merci de m'avoir accompagné. Et puis, on est ensemble. Restez connectés. 17h, je serai. C'est pas le lol. Je vous dis la vérité. Quand je parle, vous allez confirmer tout à l'heure. 18h, je lance seulement. Vous allez voir. La conférencière. Oh. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao.